Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139. Psaume chapitre 139. Nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue
que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang? Éloignez-vous de moi, ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du c'est tout. Tout ira très bien, mon sauveur. Avec toi, tout va très bien. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu nous accordes de ce moment et la grâce de pouvoir réellement chanter le chant de Sion, réalisant combien tu es toujours présent dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint. Tu conduis nos pas, mon bien-aimé Père oh Dieu, tu nous éclaires, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, comme nous l'avons aussi chanté et comme aussi nous l'avons prié encore tout à l'heure, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci pour
cette grâce d'être encore parmi les vivants, mon bien-aimé Père Dieu, pour te louer, pour t'exalter, pour chanter les chants de Sion, pour dire combien tu es bon, mon bien-aimé Père Tibisson, pour rendre témoignage à ta grandeur, mon bien-aimé Père Dieu, à tes hauts faits, à ta bonté, mon bien-aimé Père Tibisson, à tes compassions, à notre endroit. Tu es vraiment bon, notre Père. Il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi bon que toi, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es le seul qui soit bon, mon roi. Oh, ta bonté a-t-elle nué, mon bien-aimé Père Dieu. Merci encore pour la lumière au temps du soir. Tu avais fait la promesse, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui tient tes promesses à toi, mon sauveur. Et au temps du soir, la lumière a vraiment paru, mon sauveur. Nous te remercions. Maintenant, nous marchons dans ta lumière à toi, mon Seigneur. Nous sommes vraiment éclairés, nous sommes vraiment conduits, mon bien-aimé Père Tibisson. Et c'est toi qui nous enseigne, qui nous instruit aussi, mon bien-aimé Père, pour réellement marcher comme toi tu veux que nous puissions marcher, Père. Remplis-nous encore, Père Tibisson, par ta parole. Merci, oh Dieu, de ce que tu as permis que nous puissions chanter en connaissant de Sion. Bénis ton peuple, Père, oh Dieu, qui ce matin a chanté de ton cœur, les enfants qui ont aussi chanté, bien aimé Père Tibisson, oh Dieu, chaque antique qui est descendu individuellement aussi, bien aimé Père Saint, oh Dieu, la chorale, ceux qui ont chanté, qui soient aussi bénis, mon roi. Nous te remercions encore et nous prions pour tous nos frères et sœurs aussi qui sont de loin comme de près, aussi en connexion, qui soient aussi bénis, Père. Merci vraiment pour le psaume, mon bien aimé Père, oh Dieu. Ta parole donne toujours la joie et la vie, mon bien-aimé Père. Merci encore pour ce que tu es pour nous encore ce matin, pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père, Tibisson, Dieu, la grâce d'être guéri par toi, restauré, Seigneur, et soutenu encore par ta main puissante, mon bien-aimé Père, Dieu. Merci pour ton amour, quand tu avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc exalté et glorifié, que son nom soit élevé, qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Oui, avec lui, tout va très bien. Et nous le remercions vraiment pour le soutien qu'il nous apporte dans toutes les circonstances. Il nous a fait la promesse de nous dire qu'il est vraiment un secours pour nous. Il ne manque pas autant de la détresse. Quand on invoque le nom du Seigneur, il est toujours là pour pouvoir nous aider aussi et nous secourir. Et comme la Bible dit, son nom est saint. Nous nous approchons de lui avec autant de reconnaissance. Et aussi autant d'humilité aussi, reconnaissant la grandeur de ces dieux et que ce n'est pas à nous de pouvoir lui imposer quelque chose, c'est à nous de nous laisser simplement conduire par lui et d'agir effectivement comme lui, il voudrait que nous puissions agir. Ce dont nous lui demandons, c'est la grâce de pouvoir avoir l'obéissance et de nous soumettre effectivement aussi à ses décisions. Que notre Dieu bénisse notre sœur Emma qui a perdu sa maman. Comme vous pouvez toujours le réaliser, perdre une mère, c'est une grande perte. Parce qu'une maman, c'est un livre qui s'en va, effectivement. C'est aussi l'histoire de notre vie aussi qui s'en va avec. Et c'est la personne qui t'a gardé dans son ventre pendant longtemps. Toute une période de 9 mois, tous les jours, vous vivez ensemble avec elle à l'intérieur. Que Dieu soit béni. Pour ce qu'il a fait ses dons aux sœurs, de pouvoir réellement aussi porter des enfants et pendant toute leur durée de temps et manger avec eux, être nourri aussi à l'intérieur. Et même lorsqu'ils viennent aussi au monde, le premier pas c'est toujours avec la maman. Nous prions que le Seigneur console notre sœur. Même si la maman est âgée de 200 ans, reste toujours la mère. Nous aimons que nous voulons que le Seigneur conserve longtemps. Et quand nous le perdons, effectivement, c'est un grand vide qui reste. C'est pour ça que nous allons prier pour notre sœur et afin que le Seigneur la console, qu'il puisse aussi la fortifier, consoler aussi les autres frères et sœurs, aussi les membres de la famille aussi, qui sont aujourd'hui aussi attristés par la perte, effectivement, d'une personne qui est toujours et qui a toujours été aussi importante dans leur vie. Que Dieu console notre sœur Emma. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est vrai, le départ de quelqu'un dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, avec qui nous avons passé du temps, avec qui nous avons marché ensemble, et surtout une mère qui a eu à pouvoir porter son enfant dans son sein pendant plusieurs mois. Seigneur Jésus, qui s'en va, c'est vraiment pour l'enfant, pour la famille. Oh Dieu, un vide énorme, mon bien-aimé Père Tibisson, que personne ne peut combler, mon bien-aimé Père Tibisson. C'est pourquoi nous te supplions encore de pouvoir te souvenir de notre sœur Emma, de la consoler, de la soutenir encore, mon bien-aimé Père Tibisson, dans un moment comme celle-ci, Père Tibisson, où Dieu, où il a vraiment besoin de toi encore davantage, mon roi.
Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus, même quand on est aussi avancé en âge, je me souviens toujours de la maman, c'est vrai toujours, c'est la maman toujours, parce que c'était la personne qui nous a beaucoup marqué dans notre vie, Père. Nous prions pour elle, nous prions pour sa famille, nous prions pour tous ceux qui lui sont chers, ses enfants, ses petits-enfants aussi, ses petits-enfants, ceux qui sont chers dans sa vie, mon bien-aimé Père Tibissant, qu'ils soient aussi consolés. Sois béni, parce qu'il appartient à toi de pouvoir donner, de répondre aussi. Nous voulons te dire merci pour tes décisions. Que ton nom soit béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit toujours glorifié dans tout ce qu'il fait. Ses décisions sont bonnes parce que quand il décide, ce qu'il dit, c'est la chose qu'il faut faire. Et il sait pourquoi. Celui qui nous donne, et celui-ci qui aussi, quand il décide de vouloir prendre aussi, nous devons toujours aussi garder toujours la confiance et l'amour et le respect à son endroit. Nous remercions notre Dieu de ce que, comme nous pouvons voir les jours qui passent, et aussi les événements aussi qui s'enchaînent de plus en plus, effectivement, nous réalisons que nous vivons dans des temps qui sont vraiment des temps glorieux. Des temps glorieux parce que ce que nous sommes en train de pouvoir vivre et clôture en fait aussi, effectivement, l'histoire du salut et pour les nations, afin que le Seigneur, notre Dieu, arrive à pouvoir aussi accomplir ce qu'il avait à pouvoir faire comme promesse. Il avait dit, si les cieux pouvaient être mesurés, alors j'oublierais effectivement la race d'Israël, le peuple d'Israël. Et comme on ne peut pas mesurer effectivement l'étendue des cieux, alors jamais il peut oublier ni abandonner la postérité d'Abraham, effectivement, donc le peuple d'Israël. Nous lui disons merci parce que il a eu à pouvoir marquer d'une manière tellement aussi puissante et vraiment aussi glorieuse, dans le sens que sur cette terre, aujourd'hui, nous avons un témoignage que Dieu est vraiment vivant et que c'est Dieu, effectivement, il est présent et qu'il agit encore, même si, comme je disais l'autre fois, je sais pas avec quelqu'un pouvait avoir l'ombre d'un doute, mais il suffit simplement de tourner le regard vers Israël, de savoir que ce peuple existe. S'il existe, c'est parce qu'il y a eu un Dieu. Donc même le doute ne peut pas avoir sa place, effectivement, mais c'est surtout l'assurance et la certitude. Alors nous qui avons, vous savez, le Seigneur, notre Sauveur, a eu à pouvoir répondre et dire, enfin, répondre aux questions que les disciples lui avaient donc posées en rapport avec les fils du temps et le programme, effectivement, et comment les choses allaient donc prendre place, parce que il avait cette capacité de pouvoir annoncer les choses de l'avenir, effectivement, comment les choses allaient se passer et comment ça s'est déroulé, effectivement. Ils avaient une telle assurance aussi, un privilège extraordinaire de pouvoir être avec lui. Celui donc qui pouvait faire l'avenir, effectivement, aussi. C'est lui qui a dit que je suis donc l'alpha et l'oméga, qui connaît la fin avant donc le commencement. Nous ne marchons pas avec quelqu'un qui est incertain ou quelqu'un qui est comme, peut-être comme les autres, d'une certaine manière. Donc nous marchons avec celui qui fait toutes choses, en fait. Et comme la Bible fait comme ça, toutes choses ont été prié par lui et rien ne peut venir sans lui, effectivement. Alors, ça veut dire qu'il connaît effectivement ce qui va se passer demain parce qu'il ordonne lui-même les choses qui doivent se passer. Et c'est pour ça qu'ils avaient cette confiance en lui, qu'ils lui ont posé la question, cette question, effectivement, dit, mais dis-nous quand cela sera-t-il et quelle sera donc la fin, les signes de la fin. Donc, ils lui ont posé des questions sur certaines, effectivement, et auxquelles il a répondu avec une clarté et une exactitude, effectivement, pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, effectivement, dans la pensée de ceux réellement aussi qui auront ce privilège de pouvoir croire en lui, effectivement. Alors, il a dit que observer en fait effectivement la comparaison avec les figuiers quand les feuilles deviennent tendres, effectivement, ainsi de suite. Et puis vous savez que l'été est proche, et puis il dit cette génération qui verra cela, effectivement, ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que Israël a été toujours aussi un point aussi central, effectivement, dans l'action et la manière de pouvoir faire, effectivement, de Dieu. Je vous ai toujours dit ici, effectivement, regardez comment Dieu
témoigne de la puissance qu'il a aussi et de l'autorité de sa parole pour que, même s'il arrivait que vous doutiez, c'est pour vous-même le doute, en fait. Même si vous n'avez pas dit, est-ce que c'est possible que Dieu le fasse? En fait, le doute va vous freiner vous-même. Dieu a placé les choses comme un étendard pour que nous puissions avoir la certitude de ces choses-là. Vous vous souvenez qu'il y a eu un moment où, lorsqu'ils ont rejeté effectivement le Messie, donc ils n'ont pas voulu de lui, vous savez pour quelle raison effectivement aussi, c'était surtout les religieux qui n'en voulaient pas, parce que ce sont ceux-là qui ont eu à pouvoir l'amener donc chez Ponce Pilate. Ben, bref, ils l'ont rejeté, effectivement, mais ils l'ont demandé qu'il soit donc crucifié. Cela a été fait, en fait. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et aussi, effectivement, aussi sur nos enfants. Ils ont déclaré cela, effectivement. Mais Dieu a écouté, parce que c'est eux-mêmes qui ont dit que son sang retombe sur nous, hein, et sur aussi nos enfants. Alors, vous remarquez très bien que Titus est passé, donc il a fait son travail. Et qu'effectivement, que ce peuple était complètement dispersé sur la face de la terre. C'est-à-dire qu'on n'en parlait même plus d'Israël, effectivement, et la terre était occupée par les Ottomans, de ceci, effectivement. Donc, le peuple-là des différentes nations, effectivement, aussi, les Arabes, ils ont pris, effectivement, les territoires, comme vous le savez, effectivement. Donc, les noms, même l'appellation d'Israël ne pouvait même pas résonner aux oreilles parce que on n'en voulait pas, en fait, les Juifs, on n'en voulait pas parce que bon, il fallait qu'ils soient exterminés. Donc, c'est pour ça qu'on avait donc appelé cet endroit, donc, la Palestine. Une Palestine pour ne plus se rappeler, effectivement, de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, effectivement, d'Israël, parce que il ne fallait pas qu'on puisse savoir qu'Israël existe. Donc, on avait tout détruit, effectivement, aussi, comme vous le savez, et le peuple dispersé. Mais, dans Jérémie, au chapitre 31, Dieu lui-même a eu à pouvoir dire, effectivement, que moi, il dit, moi qui ai dispersé Israël. Donc, évidemment, tout le monde a eu ce témoignage. L'empereur romain Titus, tout le monde le connaît dans l'histoire, effectivement, et la diaspora juive, effectivement, tout le monde connaît cela, qu'effectivement, qu'il n'existait absolument rien puisque le temple a été aussi détruit. Alors il dit, moi qui ai dispersé Israël, je le rassemblerai. Et je crois que tout un chacun de nous est quand même témoin de ce que c'est Dieu a eu à pouvoir poser cet acte, effectivement, aux yeux, au-dessus de tout le monde, ce que nous avons parlé ici. Simplement pour vous rappeler, pour réveiller quelque chose aussi au-dedans de tout un chacun de vous. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que ce que Dieu déclare dans sa parole, ce qu'il a lui-même déclaré, il ne vous suppliera jamais de pouvoir avoir confiance ni croire en lui. Non, parce que ce qu'il déclare, c'est très important, frère, ça va frayer un chemin. Même s'il n'y a personne pour croire, ça fera qu'il y ait des gens. Non, parce que ça a la puissance de pouvoir créer et transformer. La parole de Dieu crée. La Bible dit qu'il dit, la chose arrive. Donc, que tu ne crois pas toi maintenant, il y aura une génération, mon frère. Parce que la parole sort avec la puissance de pouvoir crier, mon frère, ma sœur. C'est comme il avait dit, et la Vierge concevra. La parole est sortie. Vous savez, Marie pouvait faire tout ce qu'elle voulait, elle allait être gardée vierge. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Quand il annonce la chose, il ne supplie personne. C'est pour ça que nous pouvons remarquer qu'effectivement, que le Seigneur dit que je veille sur ma parole. Il n'a confiance qu'en sa parole. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à pouvoir te sentir comme si tu étais très important, que ah, j'ai fait ça pour Dieu. Non, tu fais ça pour toi. Oh Dieu, j'ai fait ça pour toi. Non, tu fais ça pour ton âme à toi, pour ton salut à toi. Ah ben bien sûr, parce que même si aujourd'hui tu ne veux pas louer Dieu, mais les arbres peuvent louer le Seigneur. Ah oui, c'est pour ça que chaque chose que toi tu dois faire, doit comprendre pourquoi tu le fais. Je chante pour louer Dieu, mais en fait tu loues Dieu pour ton intérêt. Ah oui, mais c'est la vérité. C'est sûr et certain. Donc nous comprenons que, évidemment, c'est vrai, frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir maintenant marcher avec assurance et avec certitude, avec ce Dieu
qui nous a aussi accordé. C'est, j'ai toujours répété cela, frères et sœurs. Ne prenez pas cela comme si c'était un acquis pour vous, qu'effectivement que moi, je... Non, 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 monsieur, c'est une grâce. Amen. Que toi et moi, nous puissions même invoquer son nom. Nous puissions même l'appeler notre Père. Vous savez, Dieu est le Dieu des nations. C'est un Dieu qui a créé le monde. Il a créé les hommes. Il ne peut pas manquer quelqu'un pour pouvoir l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Il y en a tellement de milliards sur la terre qui ont été créés par Dieu. Alors, quand Dieu te donne l'occasion de pouvoir... Regardez, frères et sœurs, vous allez là-bas en Asie, ils sont des bouddhistes. Ces gens-là, ils sont sincères. Ils adorent des statues. Ils offrent des bougies aux statues. Des nobutus. Je connais parce que je voyage. Vous allez effectivement dans les pays islamiques, effectivement. Ils se donnent un Allah, effectivement, qui pense que Dieu... Mais non, frères, c'est... Vous savez... C'est pas le temps. Mais regardez, frères et sœurs, quand vous regardez tous ces hommes-là, je regardais et je pensais, dit Seigneur Jésus, les musulmans, ils se lèvent à des heures, effectivement, et ils prient, ils doivent faire des ablutions tous les jours. Ces gens-là, quand on peut le regarder, ils sont sincères, évidemment, avec le Coran, ils sont sincères. Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'on en trouve? Je l'ai, parce que je vérifie toujours. J'ai lu. Je sais, comme je disais l'autre frère, c'est-à-dire, le Coran n'est qu'une copie de copie de ce qu'il y a dans la Bible, mais mal mélangé. Oui, parce que bon, quand on parle de Coran, on a l'impression, non, en fait, c'est la copie de ce que les Juifs ont eu à pouvoir parler, de ce que la Torah parle, effectivement. Il vous parle d'Adam, il vous parle aussi d'Ève, oui, dans la Torah, dans le Coran. Mais bon, c'est placé avec le mélange de ceci et de cela. Mais je dis, mais Dieu a accordé la grâce à l'humanité de voir quelque chose de tellement merveilleux. C'est d'avoir la parole de Dieu. Mais quand nous allons chez des gens, évidemment, ils sont sincères, ils sont ceci, ils vont prier, ils vont faire ça. Évidemment, sincères. J'ai toujours posé la question, j'ai dit, mais ces gens-là, donc toutes les religions que vous pouvez avoir sur la terre, parce que c'est ce que l'homme veut, non? Toutes les religions que vous pouvez avoir sur la terre, posez la question à ces personnes qui sont dans ces religions-là. Avez-vous reçu le salut? Posez simplement la question. Parce que quand on fait cette chose-là, chaque homme, que ce soit bouddhiste ou musulman, ou je ne sais pas moi de quelle tendance qu'il y a, effectivement, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est qu'il soit sauvé. Je pense que si vous priez Bouddha, c'est pour qu'ils atteignent les nirvana, comme ils disent, effectivement. Donc, pas aller dans un autre endroit de destruction, mais aller dans un endroit de bien, ça veut dire être sauvé. Alors, posez-leur la question, mais en fait, est-ce que depuis que tu pries, est-ce que es-tu sauvé? Les musulmans pareils, les bouddhistes pareils, les autres religions pareilles, posez la question. Est-ce que vous êtes sauvé? Parce que bon, vous priez, par exemple, bon, vous faites des méditations, tout ça, posez la question. Est-ce que vous êtes sûr et certain que quand vous allez mourir, vous irez au ciel? Posez la question, vous allez voir, effectivement, que ça va vous surprendre. La plupart de ces gens-là ne sont pas certains. Parce que pour quelle raison? Parce qu'ils ne connaissent même pas très bien qu'est-ce que c'est le salut, puisque dans leurs écrits, ils n'ont pas parlé du salut. Alors ils sont dans les... Si on fait ça, peut-être qu'on va arriver à pouvoir atteindre. Donc on est dans le peut-être. Donc si on fait comme ceci, ça va peut-être... Mais en fait, mais toi et moi, qu'avons-nous fait? Toi et moi, qu'avons-nous fait pour avoir cette certitude qu'aujourd'hui même, si je ferme mes yeux, je n'irai pas que peut-être j'irai... Non! Je sais où je vais. Amen. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur accorde comme une grâce à quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne t'attends plus, mais tu as la certitude. Parce que tu ne peux pas prier ces dieux sans avoir la certitude. Eux, ils prient un dieu dont ils n'ont pas la certitude. D'ailleurs, ils ne le connaissent même pas. Regardez, ce qu'il y a comme grâce que nous avons, nous, les croyants, nous qui avons eu la grâce de pouvoir recevoir, parce que c'est Dieu que nous prions, nous disons qu'il est vivant. Mais posez-là la question, effectivement, aussi à eux. Par exemple, ces gens-là, ils me disent, mais qu'est-ce que votre Dieu a déjà eu à pouvoir faire pour vous?
D'abord, vous savez ce que c'est que le bouddhisme, non? Bouddha, Bouddha, c'était un homme. Bref, bon, revenons. Nous comprenons que nous, le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé cette grâce, effectivement, ce privilège de pouvoir avoir quelque chose de sûr et de certain. Laquelle, effectivement, il nous aide en nous montrant, effectivement, de quelle manière nous pouvons posséder cette chose-là. Ça veut dire que nous, ici, nous devons être de ceux qui, tout le temps et tous les jours de leur vie, mais ça, être sincère, mais vraiment être reconnaissant à ce que ce Dieu a eu à pouvoir faire pour toi. C'est-à-dire qu'il t'a fait connaître, toi, la vérité. Il a prié tout à l'heure dans sa prière, en répétant, il dit, mais sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité, tout ça. Oui, c'est comme si, bon, c'est une répétition, mais en fait, on ne prête pas attention à pouvoir comprendre réellement, frères et sœurs, il n'y a que dans ce monde, soit c'est dans ce que nous sommes, dans ce monde nous sommes, il y a deux choses, soit la vérité ou soit le mensonge. Soit la lumière, soit les ténèbres. Alors, mais regardez maintenant, effectivement, tout ce que c'est Dieu fait pour que toi, en tant que croyant, tu puisses demeurer dans la vérité et aussi dans la lumière. Il va jusque même en fait, mais lève-toi. C'est à toi qu'il s'adresse. Et sois éclairé. Parce que les autres sont dans les ténèbres, mais pour toi, ta lumière arrive. Je ne sais pas si vous arrivez à pouvoir comprendre. C'est-à-dire que Dieu nous place, mais de tout son cœur, avec autant d'amour. Mais en fait, c'est Dieu, il faut qu'on comprenne effectivement que parfois, à force de pouvoir l'entendre nous parler comme ça, il semblerait comme si il est mendiant, c'est qu'il dit qu'il manque peut-être des gens pour arriver à pouvoir les servir. Il manque peut-être effectivement des gens pour pouvoir réellement croire en lui fermement. Il manque personne. Amen. Et c'est pour toi que Dieu le fait. C'est pour toi que Dieu te montre cela, mais non, ça doit, je me souviens dans les Saintes Écritures, j'ai lisé, je pense, c'était hier, j'ai lisé, voyez-vous, il y a eu dix lépreux. Extraordinaire, ce que, ils sont venus vers le Seigneur, et lui demandant de le rendre pur. Le Seigneur les a regardés, il a simplement dit, allez offrir, allez voir les sacrificateurs, et offrez ce qu'on demande de pouvoir offrir. Parce que dans les Saintes Écritures, quand quelqu'un a été donc purifié, eh bien, il doit venir effectivement avec une offrande pour ouvrir. Donc il leur a simplement dit, allez-y voir les sacrificateurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont obéi. Ils étaient des lépreux. Or, un lépreux ne peut pas tenir les sacrificateurs parce qu'il est lépreux. Ils se souviennent dans la région des lépreux. Mais quand il leur a dit, allez-y, ben, ils se sont mis en chemin. Et ils sont partis. C'est pendant qu'ils partaient. Sur le chemin, frères et sœurs. C'est extraordinaire, ça. De voir combien il a une puissance extraordinaire, frère. Et pendant qu'il partait, effectivement, ils se sont rendus compte. Parce que Dieu est un Dieu qui ne fait pas des choses comme nous. Non, s'il vous plaît, frères et sœurs, comprenez que Dieu fera toutes choses selon toujours sa parole. Qu'on va à gauche, à droite, on monte, il sera toujours là-dedans. Donc s'il les envoyait, ce n'était pas que pour qu'ils aillent étant les prêts devant le sacrificateur. Il dit, mais non, il ne peut pas être là. Il ne peut pas se dire, non, c'est loin de se dire. Non, s'il dit, allez voir le sacrificateur, ce que pour lui, il avait accompli. Et ces hommes ici, ils vont se dire, mais comment il nous dit, allez, mais nous sommes des lépreux, guéris-nous d'abord. Et puis on va offrir. Il dit, non, il dit, allez-y. Et c'est parce que tu dis, mais allez-y. Ces hommes se sont mis en chemin, étant lépreux. Je crois que, quelque part, s'ils avaient réfléchi, j'ai dit, mais enfin, mais est-ce que vous croyez? Regardez, comment veux-tu connaître? D'ailleurs, de loin, quand on va nous voir, on va nous battre, on va nous envoyer des pierres. Mais ils n'ont pas réfléchi. Non, ils ont simplement obéi. Mais c'est parce que la volonté de Dieu était qu'ils soient guéris, ces hommes. Vous voyez, frères et sœurs, que la foi vient de ce qu'on entend. Quand il dit quelque chose, c'est vrai, frère. S'il déclare pour toi quelque chose, ça doit arriver. Il l'a dit. Ce que vous ne réalisez pas, frères et sœurs,
C'est la puissance et l'autorité que possède Dieu, en fait. Nous sous-estimons, en fait, le Dieu que nous avons eu la grâce de pouvoir connaître. Vous savez pour quelle raison? Parce que je pense que l'habitude s'est installée. À cause de l'habitude, effectivement, ben, on peut lire et puis on trouve, ben, on connaît et puis, oh mon frère et ma sœur, c'est parce que nous n'avons pas eu à pouvoir maintenant nous positionner pour quand même avoir la réflexion sur ce que la sagesse demande, effectivement, de, à qui est l'intelligence. Regardez très bien, il y a eu un homme du nom d'Ésaïe. Vous vous souvenez, lors de la mort du roi Ozias, il était habitué à voir effectivement les choses se faire, effectivement, mais ces jours-là, dans sa profonde tristesse, effectivement, il a eu quelque chose de particulier, c'est qu'il a eu maintenant la grâce de voir maintenant le Dieu dont on lui en avait parlé, effectivement, qu'il avait entendu parler. Il dit, il leva les yeux, la vision lui a effectivement dit, il était assis sur un trône. Quand il a vu cela, il a vu comment était devant son trône avec des séraphins dont il avait 6 ailes, effectivement, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour pouvoir pour se cacher la face, effectivement, 2 ailes aussi pour couvrir aussi les pieds, et qui criait « Saint, 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 l'Éternel ». Donc, en fait, il s'est rendu compte, il dit, mais nous, sur la terre, quand nous pensons à lui, on ne peut pas avoir, en fait, on n'a pas cette hauteur de voir la dimension qu'il a, en fait. Mais là où il se trouve, même les archanges, qui sont purs que nous, ne peuvent même pas les regarder. Donc, il s'est rendu compte, effectivement, de sa petitesse. Et puis, je crois qu'il s'est posé la question, comme David veut l'écrire, mais qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme? Parce que tu as tout autour de toi. La gloire, tu l'as. L'adoration, tu l'as. Parce qu'il te chante, il te loue, il te glorifie. Qui peut chanter comme un ange ici parmi nous? Personne. Mais quand on a un peu une petite belle voix comme ça, on se croit de manière à pouvoir faire, on se pompe comme si on était tellement si important. Mais le cœur des anges, c'est différent. Parce que même leur façon de chanter, c'est saint, c'est pur en fait. Parce qu'il n'y a pas de pensée pure derrière cela, évidemment. Nous, il y en a. Parce que parfois, on chante pour que les gens voient comment nous sommes, nous avons une belle voix. Parce que pour que les gens voient comment moi, je fais varier, effectivement. Donc, ce sont pensées-là, ce sont des pensées qui sont impures. Et quand vous chantez comme ça, il n'y a rien qui va vers Dieu. Ah, vous ne savez pas, mais c'est vrai. Quand vous faites comme ça pour qu'on vous voit, pour comme ça, tout ce que vous faites, effectivement, avec une arrière-pensée impure, effectivement, ça ne peut pas aller vers Dieu. Tu peux avoir la belle voix, mais quand tu fais pour que les gens te remarquent, ça ne sert à rien pour Dieu. Ça va plaire aux hommes. Ça va plaire aux hommes. Et tu chantes pour les hommes, mais pas pour Dieu. Or, quand tu chantes pour Dieu, ton cœur doit être pur. Tu ne penses qu'à Dieu, tu exaltes que Dieu. Alors là, Dieu entend. C'est ça nous devons comprendre, frère, que quelque chose qui est fait avec un cœur qui est impur, Dieu ne peut pas le voir. C'est pour ça que chaque fois que nous devons arriver à pouvoir faire, on prie toujours, on implore, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, parce que pour que tout un chacun, même si sont dans les services, effectivement, sont à la chorale, effectivement, ils se mettent dans une position telle qu'ils implorent la grâce du Seigneur. Priant, suppliant Dieu, implorant la grâce, Seigneur, purifie-moi. Parce que s'ils viennent, étant assis ici avec, mademoiselle, tu es en train de dormir ou tu es quelque part? Assieds-toi comme il faut, regarde par ici comme il faut. Enlève la chose qui est devant. Oui, et puis assieds-toi bien, regarde par ici. Quand, c'est important, quand on fait les services qui concernent Dieu, notre attitude, notre manière de pouvoir penser l'intérieur et les subconscients, on prie pour que Dieu purifie. Ah oui, frère et soeur. Ah oui, parce que Dieu n'est pas un homme. Hein. Non, Dieu, il voit les sentiments de notre cœur, ils sont de la race de le cœur, nos pensées, effectivement. Oui, quand nos pensées sont souillées, Dieu ne peut rien avoir de nous. Ah oui, ce sont nos péchés qui éloignent Dieu de nous. Hein. Bien sûr, qu'est-ce qui a fait qu'Adam puisse quitter les jardins d'Éden? Parce que les pensées sont devenues impures. Hein. Il commence à se cacher lui-même. Mais quand on a la pensée de Dieu, effectivement, on sait, comme il était là auparavant, il n'avait pas de problème. Il ne connaissait pas de mal, mais alors là, il était toujours là. Et puis Dieu descendait avec joie. Parce qu'il était pur. C'est pour ça qu'on dit toujours, effectivement, mais qui est nul dans son cœur n'est pas du mal contre son prochain. Quand on est tout le temps souillé, on peut chanter, on peut prier. Ça s'arrête mûr ici. Ça ne va pas plus loin parce que, vous savez, nous avons des adversaires. L'adversaire que nous avons, c'est Satan. Il est tellement rusé, il est malin, effectivement. Il va vous projeter avec des pensées aussi impures pour que Dieu ne vous entende pas. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il dit, au reste que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est. C'est ça ce que Dieu nous donne comme conseil. Pour que quand tu vas prier, ta prière monte. Amen. Mais si tu as. C'est pas d'emblée, tu as un problème avec frère Jonas, tu penses du mal de lui dire, Seigneur, sois béni, glorifié. Dieu ne peut même pas entendre ta prière. Parce que ça monte d'un cœur impur, un cœur qui n'a pas de bonnes pensées. Mais c'est vrai, frère. C'est pas pour rien qu'il nous parle, effectivement, que votre cœur. Parce que les cœurs doivent être gardés de manière assez pure, effectivement, pour que. Parce que c'est de là que, oui, quand tu regardes ton frère, ton soeur, effectivement, tu as toujours de bonnes. Tu te bats pour avoir de bonnes pensées. Pourquoi? Parce que je veux servir Dieu. C'est cela dans tout. Même pour passer ici, frère et soeur. Ah ben oui. Si tu as un problème avec quelqu'un, on va sentir qu'il y a un problème. Bien sûr. Mais quand. Tout un chacun de nous d'être conscient que quand j'ai un service à faire Dieu, je dois d'abord prier, implorer, supplier, pleurer, être à genoux. Oui, frère, être à genoux. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Autrement, ça ne sert à rien, tu vas nous pavaner ici. Ça. Alors, quand Dieu dit quelque chose, effectivement, c'est à ce moment-là que Isaïe a pu voir, effectivement, il dit, mais c'est un grand Dieu, Dieu au-dessus de lui, il dit, que je ne vois que des archanges, effectivement, je vois comment il se tient, effectivement, et il crie, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et puis il se rend compte, il dit, mais je suis un homme perdu. Donc j'ai toujours la langue impure, effectivement. Il s'est rendu compte, effectivement, qu'il était un pécheur, un mauvais. Oui, monsieur. Parce que, frère, dans la présence du Seigneur, tu dois te rendre compte de qui tu es. Mais c'est vrai. Comment peux-tu louer Dieu étant toujours comme toi tu es? C'est pas possible. Non, frère, nous ne sommes pas dans un marché ici. Non, nous sommes dans un endroit où nous voulons être dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que quand je quitte chez moi, je me prépare déjà la nuit. Avant de pouvoir dormir, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Demain, je vais être pur. Oui, c'est vrai, frère. Chacun de nous doit faire cela. Vous cherchez le réveil et ne viens pas comme ça. Hein, vous chamaillez la nuit, c'est une colère, vous mettez le matin, pas me demander pardon, vous venez comme ça. Comment voulez-vous le réveil? Là, vous attirez simplement les démons, c'est sûr et certain. Et il faut le temps de voir prier, parce que frère, on ne prie pas assez. Quelques minutes, effectivement, puis on court, on va chanter. Non! À genoux, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, touche mon cœur, nous voulons avoir la voix pour te chanter, parce qu'on veut pleurer qu'à toi. Oui, frère! Avant ce moment-là, vous verrez comment le Saint-Esprit agira encore et davantage. Il est fait, frère. Mais il veut faire plus pour toi. Plus pour toi aussi, mon frère. Il faut qu'on revienne à cela. On perd notre temps pour des choses tout à fait inutiles, mon frère. Nous avons besoin que Dieu prenne le contrôle. Et le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais failli. Parce que sa parole est toute puissante, mon frère. Lorsqu'il dit, la chose arrive, mon frère. Alléluia! Nous voulons que Jésus prenne le contrôle, frère. Alors, donne-lui l'occasion. Parce que je vais me consacrer à cela. Frère, nous avons fait tout pour plaire aux gens. Ça nous a apporté quoi? Ils vous ont apprécié. Ça vous a apporté quoi? Charnellement, vous grandissez, mais spirituellement, vous mourrez. C'est vrai, plus vous êtes. C'est vrai, frère. Plus la chair monte, plus les problèmes augmentent. Eh bien oui, ça vous apporte quoi? Il faut quand même qu'à ce moment, on se dit, non Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est vrai, les gens m'ont apprécié. Mais après, je rentre chez moi, je suis malheureux. Qu'est-ce que j'ai vraiment obtenu? Des félicitations. Ah, tu es là, tu as fait. Mais... Et après, quand tu rentres dans ton secret, là, avec toi, tu te regardes et tu dis, mais après, Seigneur, je vois qu'il n'y a rien qui change. Et quand tu es sincère, tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas sûr que je te verrai si je pars comme ça. Parce que sois certain, mon frère. Il ne faut pas te tromper toi-même, c'est vrai. Il ne faut pas se tromper soi-même. Regarde-toi, dis Seigneur, dans cette condition, ce n'est pas possible. Si tu sais que ce n'est pas possible, ça veut dire que tu ne pourras pas le voir. Mais alors, qu'est-ce que tu attends, mon frère? Pour que la chose soit possible. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et comment ça va te trouver? Oui, c'est sûr et certain. Comment ça va te trouver? Parce que, vous savez, on a l'impression que, oui, ça va toujours aller comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose qui est certaine, c'est que vous êtes dans une maison de jugement. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est... Et maintenant, c'est à la maison du Seigneur que les jugements commencent.
Vous savez pourquoi je, Seigneur notre Dieu, juge son peuple maintenant? Pour que toi, en tant que frère, je parle bien de frères et de sœurs, pour que toi, en tant que frère, en tant que sœur, en Christ, tu ne puisses plus passer à la barre du jugement. Parce que il te juge ici, c'est une grâce. Ah oui, pour que toi, tu passes au-dessus de ce trône-là où on va juger tout le monde. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est pour ça que la parole de Dieu, il a dit tout à l'heure en priant, sanctifie, oh Dieu, sanctifie-nous, donc sanctifie-le par ta vérité. Ça veut dire quoi, sanctifier? Qu'est-ce que cela veut dire, sanctifier? Je crois que vous connaissez cela dans les Saintes Écritures. Il y a d'abord la justification, ça vous le savez bien aussi. Parce que quand on parle de la justification, il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, je veux que vous m'écoutiez comme vous écoutiez ce matin. Il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu sois vraiment justifié. Parce qu'on peut entrer dans les eaux du baptême et en sortir sans être justifié. Parce que vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. La Bible nous fait savoir que le jour de Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, il a montré au peuple la voie juste à pouvoir suivre. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime cet homme parce que il a décrit les choses effectivement et démontrant même. Et là, j'ai dit gloire à Dieu. Il a parlé de cet homme ici, là, David, qui avait dit, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Parce que le peuple d'Israël aime David, il connaît bien David qui élève la promesse effectivement de Dieu. Et puis il vient, il dit effectivement, mais je vais bien vous rappeler une chose que oui, bien sûr, David l'a dit. Mais nous savons tous aujourd'hui que tout un chacun de nous connaît où se trouve le tombeau de David. Donc il est mort. Et il a vu la corruption. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais comme il était prophète, ah, c'est le Seigneur qui lui a révélé qu'effectivement, que ce n'est pas de lui qu'il parlait. C'est écrit, non? Vous voulez qu'on le lise? Peut-être qu'on peut dire qu'il nous raconte des choses. Regardez bien, Actes au chapitre 2, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela dans les Actes, oui. Voilà, Actes au chapitre 2. Je pense que c'est cela, oui, c'est cela. Oui. Voilà. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous vous souvenez? Toujours ce que j'aime bien, c'est quand ces hommes se réfèrent toujours aux saintes écritures. N'oubliez jamais cela dans votre vie. Mon frère et ma sœur, les saintes écritures, tous les hommes, les prophètes et les saints, ne se sont référés. Quand le Seigneur lui-même est venu, il s'est référé toujours aux saintes écritures, en disant, il est écrit que le Christ souffrirait. Amen, amen. En commençant par Moïse et dans toutes les écritures. C'est écrit, non? Dans Luc chapitre 24. Dans les psaumes, dans cela. Oui. C'est nécessaire, frère, de pouvoir réaliser. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que la parole de Dieu soit mise par écrit. Parce que c'est cela ce qu'il veut pour que ce soit un témoignage pour nous. Parce qu'il a compris ce qu'il a été dit. Alors il dit, donc c'est ce qui a été dit dans le prophète Joël, dans les derniers jours du... Vous vous souvenez, non? Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est merveilleux, hein? Ah là là. Et dit, vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Vous voyez ce que le Seigneur a annoncé, mon frère. Il accomplit toujours. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, effectivement, le soleil s'échangeant en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé.
homme frère, homme Israël, pardon, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous entendez cela? Donc livré selon les desseins de Dieu. Donc vous savez, la parole est venue, elle est faite, elle ne peut que s'accomplir dans le moindre détail que Dieu l'avait annoncé. Pour dire que tout ce que Dieu a dit, peu importe mon frère et ma soeur, que tu le méprises, que tu prennes des airs, que tu fasses ici, que Satan monte, qu'il descende, cette parole s'accomplira pleinement. Alors ce dont nous avons besoin, c'est de voir, tu dis, Seigneur, aide-moi à être dans la parole. Que je la comprenne, que je la comprenne pas, mais aide-moi à m'accrocher. Parce qu'on t'a marqué, tu me la feras comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ton objectif. C'est mon objectif. Pourquoi? Parce que Dieu ne veille que sur cela, sur sa parole. Nous continuons. Alors, et c'est dit, verset 19. Ah, mais voilà, c'est dit, voilà, miracle, les produits du Seigneur. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés sur la possession de Dieu, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 4, 24. Dieu l'a donc ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ce n'était pas possible. Que Dieu te bénisse, Lise. Il dit, c'était, donc, la mort pouvait faire tous les efforts. Elle me dit, on s'accroche à toi, tu dis, de toute façon, tu es mort, tu es ici, dans les sous-de-mort. Il dit, on pouvait tenir, mais c'était pas possible. Alléluia! Parce que l'écriture avait dit que tu ne permettras pas, alléluia, l'enfer, le monde, la terre, obéir à la parole de Dieu, frère. Oui, monsieur, oui, madame, le soleil, la lune, les étoiles, les vents, l'air, et obéis, mon frère. Toi, tu peux douter, mais ils obéissent, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur, oui, madame. Il suffit simplement qu'ils disent un mot. Le problème, c'est toi. Je parlais avec ma soeur Christiane tout à l'heure. Voyez-vous, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Pouvoir l'autorité, la puissance de Dieu. Un rocher sec. Donc c'est décrit. Mais vraiment, vous connaissez un rocher. Vraiment sec, sec, vraiment rocher, rocher, pierre, 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 pierre. Il dit, Moïse, tiens-toi là. Il dit, toi ici, parle au rocher. Dieu, il est merveilleux. J'aime ce Dieu, frère. Mais frère, si je dois parler à quelque chose, tu dois avoir les oreilles pour entendre. Oui, mon frère. Frappé, je comprends. Et oui, frère. On frappe le rocher, c'est comprend. Mais maintenant, parlez au rocher. Vous dites, mais Seigneur, mais le rocher n'a pas des oreilles. Alléluia. Là, l'autorité de la parole, mon frère. Même un rocher peut entendre la parole de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que ces gens ont dit, mais même les pierres crieront. On ne peut pas limiter la puissance de Dieu, mon frère. Oh oui. Alors que cet homme était là en train de pouvoir chevaucher, il pousse, l'âne n'avance pas. Une bête de somme, se dit que. Une bête qui fait. Ah oui, c'est comme ça qu'il est. Et puis il était en colère parce qu'il attendait la récompense là-bas. Il pousse une main, tape, tape, et voit que les lames n'avancent pas. Ah, Dieu du ciel, l'homme. C'était un animal. Alors l'homme est supérieur à l'animal. Et puis il tape, il voit quand même que l'animal pousse son pied, il coince contre le mur. Il s'énerve encore, mais tu me coinces les pieds contre le mur, avance.
Il va dire, il pousse encore, mais il s'énerve. Et puis tout d'un coup, Dieu de miracle. Il entend l'âne qui parle. Oh Dieu, Dieu est grand. Vous savez, l'homme dans sa folie, il ne s'est même pas rendu compte qu'il conversait avec un âne. L'âne qui n'a jamais parlé, qu'il parle, mais depuis tout ce temps-ci, tu m'as déjà vu. Mais oui, mais pourquoi tu le fais aujourd'hui? Ah! Il s'est rendu compte, il était tellement dans la folie, frère. Il ne s'est pas rendu compte, il dit, mais j'étais toujours obéi, toi. Oui, je le sais. Oh, il ne s'est pas dit, oh mon Dieu, mais mon âne parle. C'est qu'il y a un miracle quelque part. C'est qu'il y a quelque chose de surnaturel. Non. Ça, c'est l'homme, en fait. Le dégât de l'homme. Vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur. Ce Dieu que nous servons, que vous avez l'habitude de pouvoir venir vous asseoir, on ouvre les Saintes Écritures et on parle, que vous méprisez, que vous venez à la légère. Oh, frère et soeur, écrivez-le, ça va vous coûter cher. C'est bien de pouvoir s'asseoir et puis penser aux choses de ce monde, puis sortir ce que vous avez à faire. Mais je vous dis, frère et soeur, écrivez-le. Vous allez le regretter. Je parlais tout à l'heure avec l'INSEM, je vous dis là-bas, ma grande, la petite. Je disais, ma chérie, regarde bien ce qui est dans ce monde dans lequel tu vois, parce que la jeunesse est souvent attirée, en fait. On souffre parce que nos enfants, à certains moments, quand ils vont à l'école commence à pouvoir influencer. Ils sont bien quand on les maintient encore à la maison. Mais une fois qu'on les amène dans ce milieu, on pleure tous les jours. C'est-à-dire que c'est ça qu'on doit comprendre, que quand on les amène à l'école, on doit doubler les prières. Ah oui, parce que c'est le terrain que les diables les attendent. Ils savent qu'ils sont vôtres. Que vous battez tout le temps pour qu'ils soient au moins dans la pensée pure. Mais quand ils partent à l'école, effectivement, ça sera les champs libres, évidemment, parce qu'ils sont entre les mains de... Bien sûr que oui. Et quand ils rentrent à l'école, puisque... Et il y a des familles qui vivent selon ce qu'ils pensent. Et puis le mal est entré aussi dans les autres. Et nos enfants qui ont été éduqués pour ne pas rentrer dans cela, dans la jeunesse, ou commencent à leur montrer des choses plus facilement. Et c'est moi je suis, moi je fais, regarde, moi je me perds les lèvres. Moi je me mets un peu les crayons ici. Parce qu'on dit qu'une femme doit se mettre des crayons ici, et cela. Ne vous fâchez toujours pas quand on rentre dans les crayons et tout ça. Vous fâchez. Moi je prêche cette parole. Parce qu'un jour, je vous apporte la parole de Dieu pour que vous ne passiez pas par ce chemin-là. Tous les crayons que vous avez, ils ne vous défendront jamais. Vous avez déjà remarqué, on parle entre nous, il ne faut pas vous fâcher. Vous avez le droit de vous fâcher, pas de problème. Ces gens-là avec qui vous allez acheter tout ce qui vous fabrique des crayons, là, qui vous disent ça, vous savez combien ils sont riches? Mais toi, avec ton job, que tu ne gagnes que 10 euros, après avoir sué, tu as des enfants à la maison, tu prends ton 5,95 € pour aller acheter les crayons où elle est laissée sur son île. Mais c'est vrai. Vous réfléchissez un peu. Hein? Et elle ou il est laissée sur son île parce qu'ils achètent des îles maintenant. Ils ne voyagent pas dans les avions, ils achètent des jets. C'est toi qui achètes le carburant de ces jets-là. Après avoir souffert comme ça, quand tu as les enfants, ils n'ont même pas encore tous les cahiers qu'il faut, ou même à manger, tu sers, mais si tu n'as pas... Parce que vous savez, c'est un démon qui rentre dedans. Ce démon-là, il te guette, il faut que tu le nourrisses. Si tu n'as pas nourri ce démon-là de crayons ou de gomme, là, enfin bon. J'ai un exemple que je ne pourrais pas, parce que je n'ai pas un crayon, hein, au stylo, je ne sais pas, là. Jusqu'au moment où tu vas acheter les stylos en question, quand tu as fait la peinture, tu vas dire, ah, mais en réalité, vous ne vous rendez pas compte, en fait, de tous les méfaits que ce genre de choses peut vous apporter dans votre vie. Vous savez, vous connaissez quand même mieux les choses que moi. Regardons, en tout cas, vous savez, ça, c'est bon. Ah, mais je pense que une de sœurs a rendu son témoignage ici une fois. C'était qui, je pense que...
Parce que maintenant, on ne peut pas dire que le pasteur a dit, vous avez les témoignages. De vos... Que Dieu le bénisse, il a eu du courage. Il dit, j'étais quelqu'un qui aimait bien me poudrer. Mais il a senti que c'est pas moi qui... Je pensais que c'était ça. Hein? Tout d'un coup, vous vous sentez mal à l'aise. Bon, alors, on continue dans les actes, parce qu'on sent un silence, un froid. Bon, je veux que vous soyez joyeux. Mais je veux que vous soyez joyeux avec les seigneurs. Parce que je vais passer ça. Le diable est content. Il dit comme ça, il passe. Et puis on reste. C'est comme si on n'avait rien entendu. Donc on se justifie de pouvoir continuer à crayonner. Pas de problème. Moi, j'ai lu les Écritures. C'était un bonheur. Amen. D'avoir, c'est douloureux de voir le mal que Satan fait aux enfants et aux frères et sœurs. Et quand on vient avec la parole de Dieu, c'est pour chasser ces démons. Amen. Que je reviens avec l'INSEE parce que je ne veux pas. Alors je disais, mon chéri, tu vois, tu es un enfant que qu'on te voyait comme moi. Oui, elle dansait ici, l'INSEE. Et louer Dieu ici de tout son cœur. Mais quand on commence à grandir dans l'âge, ma pauvre chérie dans l'école, effectivement, on sent que ça commence à secouer. Je lui dis, mais tu as quelque chose de plus grand. C'est ça aussi que je m'adresse aussi. Vous voulez ressembler au monde, mais le monde, c'est immonde. Comment toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu dois chercher à ressembler au monde? Tu nous as fait sortir de ce monde. Aïe, j'ai prié que Dieu nous aide, frère. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce monde n'est pas chez nous? Tu ne sais pas. Quel plaisir que vous pouvez prendre à regarder une personne et à chercher à ressembler à cette personne du monde. C'est plutôt la personne du monde qui doit te regarder et chercher à se coiffer comme toi. Que Dieu nous aide. Vous avez quelque chose de tellement si puissant. Il nous a lu un psaume ici, il y a un temps, psaume 82. Vous vous souvenez? Vous êtes des dieux. Mais comment est-ce que quelqu'un qui soit un dieu doit aller vers un démon? Réfléchissez un tout petit peu, mon frère et ma soeur. Tu es un fils de Dieu et ils sont les fils du malin. Vous le savez, frère. Il y a des fils de Dieu, il y a des fils du malin. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Quelle attirance que tu peux avoir dans un fils des démons. Tu abandonnes ta nature à toi, ce que toi tu es, pour aller revêtir la nature d'un fils du malin. C'est ça que parfois vous ne réalisez pas, frère, ce que dit que c'est petit. Non, frère. C'est pour ça que même dans ta pensée, tu es appelé à être dans la pensée pure. Parce que tu es un Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. C'est plutôt le monde qui doit avoir de la crainte à ton endroit. Vous savez ce que l'Écriture dit à Dieu? Vous voulez qu'on les lise? Regardez dans Deutéronome chapitre 28, je pense que c'est cela, hein, si on peut le trouver. Frère, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi vous avez honte d'être ce que Dieu est pour vous et ce que Dieu attend de vous. Parce qu'il n'y a rien de bon. On va retourner ici vite dans les actes. Hein, parce qu'il y a dans les actes. Je crois que c'est Deutéronome 28. Hein. Je pense que c'est cela, oui. C'est que ce truc. Mais voilà, ah, voilà, c'est que cela. Voilà, c'est 28, Deutéronome 28, il dit,
verset 7 d'abord, il dit, je commence verset 2. Hein. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais Satan va te décourager. Hein. Il dit, mais tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Vous comprenez, frère, même si tu es un sans-papier, écoutez bien, même si tu es un sans-papier, frères et sœurs, nous avons tous, enfin bref, même si tu es, oui, tu as déjà dit oui, 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 même si tu es un sans-papier, mais que tu as Dieu avec toi, tu seras avec du papier. Amen. Amen, amen. Parce qu'il dit, mais tu seras béni. Amen. Votre problème avec des dossiers qui tournent, qui rond, qui n'avancent pas très bien, c'est que ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que pour Dieu, parce que pensez-vous que Dieu vous envoie ici et qu'effectivement, bah, il veut que vous retourniez en quelque chose. Je donne un exemple. Mais si déjà vous accrochez à Dieu, est-ce que Dieu a voulu que vous soyez là? Amen, amen. Si je vous fais lever les gens, vous allez témoigner, mais ce n'est pas possible. Oui. Le diable fait toujours, il pousse pour que vous puissiez pas. Mais c'est parce que Dieu a une œuvre à faire au travers de toi. Oui. Tu dois être conscient de cela. Mais comment je dois arriver à pouvoir? Parce qu'il doit quand même savoir comment pouvoir obtenir de la part du Seigneur ce que Dieu t'a donné. Même si on a pris des mesures à gauche et à droite, effectivement, mais pour toi, il va ouvrir en fait un chemin avec un texte qui va sortir là. Pour toi. Une fois que ton dossier est réglé, l'article change. Vous ne réalisez pas, frères et sœurs. Vous voulez, on va un baba. Non, 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 vous avez. Vous vous tenez debout. Je vous ai rendu mon témoignage. Moi, j'ai dit, je ne peux pas. C'est pas que j'ai dit ça pour faire plaisir, mais c'est la vérité. J'ai dit, non, monsieur, j'ai dit, je ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit, tu ne parles pas, parce que je voulais m'en parler. J'ai dit, mais je ne parle pas. Et puis il me dit, mais comment tu dois nous prouver que tu veux qu'on dise, de quelle manière tu veux qu'on dise. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit, monsieur l'avocat, viens. Je ne suis pas ici pour des histoires. Moi ici. J'ai dit, monsieur l'avocat, écrivez. Écrivez. A écrit ça, et ceci, c'est là. Il me regardait, mais comme Dieu était avec moi, il obéissait. Oui, c'est 100% la vérité, je vous dis. Et il a écrit, parce que comment je ne peux pas le faire. Il a envoyé. Il envoie, monsieur dit, monsieur Dufessi, comment est-ce qu'il peut nous dire ça? D'abord, il dit, il ne part pas. L'autre, on lui dit, il doit partir. Il dit, il ne part pas. Et puis, il dit, il y a ça, vous n'avez pas respecté ça. Il nous dit ça. C'est vrai, frère. Et puis maintenant, ils disent, puisque c'est comme ça. Je vous dis la vérité. Bon, il veut rester, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, voilà ce que je vais faire, je fais ça, et ceci, et ceci. Dieu est venu au bon moment. Et ça. J'ai dit, ah bon, on va le laisser faire. Et c'est comme ça. Amen. Oui, mon frère, n'en dis pas des histoires, mais nous avons vécu avec ce Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, frère. Je vais continuer. Même si tu es sans papier. Sache que Dieu t'a donné déjà des papiers. Amen. Je disais toujours ici à tout le monde, mais papier c'est quoi? C'est ton nom? Avec le nombre d'années. Ah oui, 5 ans, 10 ans, c'est un de chiffres. Hein. On écrit. Si vous dites ce que Dieu a fait, vous allez dire, c'est pas possible, frère. Et oui, frère. Oui, votre soeur sourit parce qu'il connaît toutes les aventures dans lesquelles on est passé de haut et de bas. Il a toujours dit, mais tu es comme un bulldozer. Il dit, dans tout, tu es comme ça. J'ai dit, c'est comme ça que Dieu a fait de moi. On fonce là où on ne peut pas foncer. Amen. Mais c'est du béton devant, dit, avançons. Et quand on avance, vous connaissez vous-même, eh bien, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. C'est tombé les murs de Jéricho. Nous aussi, quand on a l'arche de l'Éternel. C'est que partout on a mis des gros murs là. On dit personne ne peut passer ici. Il suffit qu'on avance. Selon le rythme de Dieu. Les barrières tombent. C'est pour ça que je prie pour vous qui n'avez pas ça. Vous l'avez déjà. Alors revendiquez ce que vous avez. De la bonne manière. Alors nous continuons. Verset 21. Donc tu seras béni dans la ville.
sera béni aussi dans le champ. Aïe, que Dieu nous aide. Vous savez, frères et sœurs, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous me permettez? Amen. Vous ne devez même pas avoir peur. Quand vous sentez que le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose comme une activité, laissez-vous aller. Amen. Ah oui, je sens que je dois vendre, je sens que je dois faire ceci, je sens que je dois faire... Oui, parce que les enfants de Dieu ne sont pas toujours les gens qui sont toujours en train de dormir. Non, ce n'est pas seulement du monde qui doit faire, mais toi aussi. Je sens que je dois faire quelque chose. Je dis, Seigneur, je t'ai pris. Je sens ce que tu... C'est là, est-ce que je peux aller... Quand tu sens, Seigneur, te donne l'accord, fais-le. Même si tu commences avec des chikwang. Il ne faut pas avoir peur. Ah oui, je commence avec des chikwang. Enfin, c'est la banane, hein, pour ceux qui entendent. Donc, deux seulement. Dit, Seigneur, avec ça, oui, il va fructifier. De deux, ça montera à trois. De 3 à 4, mais seulement sois fidèle dans ta façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup de chikwang. Mais les tiens deviendront différents. Parce que il y a la foi derrière. Il y a Dieu derrière. On va te combattre, mais tu persévères. Oui, mon frère. Ta corbeille sera bénie. Ton champ sera béni. Donc, nous continuons rapidement. Allez, allons-y tous. Alors, dis-moi. Vous savez, la peur n'est pas de Dieu. Ah oui. Et puis quand vous avez du travail, n'oubliez pas la dîme et les offrandes. Vous savez pourquoi? Ça, c'est le secret de Dieu. Dieu aime toujours bénir son peuple. Parce que quand ça augmente chez toi, c'est que c'est lui qui a augmenté. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que vous savez, frère, je vais vous donner, vous comprenez pour ce que je veux dire. Il faut que le peuple de Dieu soit sage. Il doit connaître son père. Le diable, lui, comme dit, il viendra pour pouvoir t'empêcher de pouvoir faire ce que Dieu t'a dit de pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours te rendre malheureux. C'est pour ça que tu fais, mais les commerces n'avancent pas. Mais ça n'avance pas parce que tu ne payes pas. Frère, j'ai essayé, comme tu as entendu, j'ai essayé même avec deux. Les deux, la moitié est partie. J'ai dit, mais... Qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu, en fait, le premier, là? Tu as fait quoi avec? Bon, avec les premiers, je dois investir. Comment je dis là, tu as fait une erreur. Vous savez, dans Malachie, chapitre 3, c'est la parole qui a une promesse. Vous voulez qu'on le lise un peu? Amen. Puis on revient ici. Vous me supportez un peu? Amen. Merci. Malachie, au chapitre 3. Soyez forts, mon frère. Soyez forts, ma soeur. N'ayez pas peur quand vous sentez que la chose, c'est là. Faites-le, peu importe le combat, Dieu vous soutiendra. Et dans Malachie, au chapitre 3, verset 7, il dit, « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi? C'est extraordinaire comment Dieu converse. Il dit, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, t'as les dîmes et les offrandes. Écoutez bien, il sourit. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. C'est ce que Satan veut. Que la malédiction tombe sur vous. Parce que Dieu tient sa parole. Il dit, mais vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Enfin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Écoutez bien, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de mes armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, qu'est-ce que je vais faire? Je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Détruirez les armées, toutes les nations vous diront bienheureux et car vous serez un pays de délices, détruirez les armées, ainsi de suite. Donc, quand moi je commence, je programme d'abord. Vous avez, frères et sœurs, J'ai vu les Chinois ou les Japonais, ils ont dans leur magasin des hôtels. Ah oui, quand ils viennent le matin, là, ils font d'abord prendre quand même des offrandes, aller offrir, effectivement. Oui, avec leurs baguettes, comme sur la bande, ils sont juste devant l'hôtel, effectivement, ainsi de suite. Des gens qui n'ont vraiment, c'est-à-dire que ce sont des esprits, mais toi, tu as Dieu. Si tu honores d'abord Dieu,
mais se tiendra devant la porte de son magasin. Bien sûr. Moi que vous voyez ici, vous le savez. Ceux qui me connaissent encore, ils le savent. J'avais commencé avec, je dis bien, zéro. Elle était, je ne peux pas vous raconter des histoires ici. Elle commençait avec zéro. Mon activité. Vous disiez, mais qu'est-ce que vous allez faire? Les gens de la quartier disaient, mais monsieur ici, il vient chez nous. Lui, il ne réussira jamais. Nous, sinon, on sait très bien qu'il n'y a personne qui peut aller chez lui. Ah, ah, ah. Mais ceux qui ne savaient pas que ce monsieur-là, il avait Dieu avec lui. Ils ont parlé, ils ont critiqué, il ne réussira pas. Mais après, ils avaient la bouche comme ça. Et passé, oh, ils ont vu quoi? Les gens du ministère venaient chez moi. Les entreprises en France venaient chez moi. En Allemagne, partout. Oui, monsieur. Et j'ai brassé des millions. Mais c'est vrai, monsieur, madame. Avec zéro. Zéro, je vous dis bien zéro. Et j'ai brassé des millions. Et puis, vous avez là-bas, mon nom était connu. Disait, mais qui est ce l'officier en question? On pensait que c'était un vieux flamand. Il était là parce que, oui, les avions venaient toujours, mon entreprise. Il dit, mais les grands avions, donc, on regardait cet été, moi, ça remplissait là-bas. Il dit, mais si il fait ça en question, un jour, on m'invite pour voir s'il fait ça en question. Ah oui, j'ai connu même les gens du ministère, des procureurs du roi, évidemment. Oui, pas parce que je suis, mais parce qu'il ne se rendait pas compte. Le monsieur qui veut, parce qu'il était tellement. Mais je dis, bon, je bloque. Et parce que c'était une entreprise française, effectivement, je bloque parce que je dois d'abord voir ceci, le monsieur, il fait ci. Il dit, ah. Il m'invite, je viens. Je vous dis la vérité. En bref, hein, pour que vous compreniez que n'ayez pas peur quand vous devez commencer quelque chose. Même si on vous critique, le Seigneur soutiendra. Nous devons réussir. Parce que nous entreprenons. Alors on doit. Quand ton frère commence, soutiens-le. Amen. Alléluia. Si mon frère vend des sardines, moi je vais acheter les sardines au Carrefour. Non. Même si sa boîte de sardines coûte 5 euros plus que là-bas, je préfère donner là-bas. Pourquoi? C'est chez moi. Parce que je sais qu'à ce moment, quand hein, j'ai dit, mon frère, je sais qu'il ne pourra jamais résister. Mais au Carrefour, je vais aller voir qui. Hein, je vois qui met là, Christ servit. Je passe. C'est pour ça, même si vous avez. Oh, chez lui, ça coûte. Non, chez lui, ça coûte ce que ça coûte. Alors, je viens là-bas, je dépose là-bas, je prends, je rate chez moi, je suis heureux. J'ai dit, ah, merci. Enfin, bref, on va dire, oh, il va faire. Non. Alors, oui, c'est quand même vrai. Si toi, tu vends les chikwang, je ne vais pas aller à la porte de la mule pour acheter les chikwang. J'ai téléphone, moi je mange pas de chocolat. Vous connaissez mon problème, si je touche à ça, j'ai un sérieux problème. Mais si vous aimez, si vous habitez, vous n'avez qu'à téléphoner, on va vous amener. On vous réserve ça pour vous. Au lieu de voir, dire, ah, je vais seulement là-bas parce que je sais quand je touche celui-là, c'est tendre. Mais celui de ton frère aussi, quand tu pries, il va devenir tendre. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi je dois les déposer là-bas? Alors que, bon, bref. Alors, il me convoque là, il a bloqué la marchandise d'une grande société en France. Parce que ces gens-là ne voulaient pas passer à notre société, que c'était la mienne. Et c'était aussi, je leur disais, mais pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours moi? Parce que Dieu est là. Vous savez, je suis toujours détesté dans tout, oui. Et la haine, c'est quelque chose que je suis habitué avec. Ce que je vous dis est vrai, votre soeur peut vous certifier. Ce n'est pas des histoires. Et puis, alors maintenant, je rentre dans leur bureau là, ils me disent, oh, monsieur le fessier, je suis bloqué. Non, moi, monsieur le fessier, on a bloqué ça parce que, bon, on doit encore vérifier, Vérifier quoi? La cliente et la société est tellement dans l'urgence pour avoir son colis. Ah non, il faut attendre. Et d'ailleurs, j'ai contacté, parce que je savais très bien que je ne veux pas rien faire comme ça sans contacter le procureur du roi. D'ailleurs, j'ai d'abord contacté le procureur, je lui ai parlé, donc le procureur examine les dossiers, hein, donc c'est pour ça que je suis bloqué. J'ai dit, mais la société a besoin de cela? Non. Je devais aller voir qui? Personne. Je ne savais pas comment faire. J'étais là, j'étais debout. Et puis, il dit, oui, vous devez rentrer chez vous dans votre bureau, et puis on va voir comment on peut faire, non? Puis, oh, s'il faut un avocat, ceci, cela. J'ai dit, je sors et je m'avance pour sortir. Il y avait un inspecteur de douane qui était là. Il regardait l'autre, je me disais, paf, je sors, je vois seulement quelqu'un qui sort pendant qu'il me suit. Dieu, il est grand. Amen. Il
dit, monsieur Fessé, j'ai dit, oui, monsieur, il dit, je vais vous parler, mettez-vous un peu à côté. Il dit, j'ai remarqué que c'est pas bien. J'ai dit, alors écoutez bien, ne dites pas que c'est moi. Voici, le procureur s'appelle tel, ce numéro de téléphone s'appelle tel. Tu vois, tu l'appelles, tu dis, procureur, je vois, parle-lui, explique-lui. On va te libérer ton truc. J'ai dit, c'est vrai, il dit, oui, son nom, c'est ça. Vas-y. J'ai dit, alléluia. Non, oui, je retourne dans mon bureau, téléphone, procureur. J'ai dit, qui êtes-vous? J'ai dit, citoyen belge. Quel sujet? Au sujet de mon dossier, chef d'entreprise. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme problème? J'ai dit, vous vous souvenez? Est-ce que je peux vous rencontrer? Pour ça, il dit, il n'y a pas de problème, venez dans mon bureau. J'ai dit, gloire à Dieu, Dieu touche le cœur, monsieur Adam. J'arrive là, je dépose mon. J'avais mon dossier, dit, écoutez, je suis un citoyen. J'ai mon entreprise, je fais ça, 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 oh, les problèmes, ça, 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 ça. Et il semblerait qu'on vous a appelé par le monsieur là, et que c'est vous qui avez bloqué ma marchandise. Et ne pourriez-vous pas comprendre que. Il dit, oh, monsieur, ça, ça, ça. Pas de problème, allez lui dire que j'ai donné l'ordre, que votre marchandise livrée. Et oui, le lendemain, je rentre comme ça, je dis, oh, qu'est-ce que vous voulez faire ici, monsieur Fessé? J'ai dit, je viens pour mon dossier. Il dit, mais oui, c'est votre dossier est bloqué, il n'y a rien à faire. J'ai dit, ah oui, bon ben. Le procureur Van Bittenpata. Il m'a dit que je viens de vous dire. Que vous. Comment vous connaissez le procureur? J'ai dit. Et c'est comme ça que les choses. C'est pour dire simplement, frère et soeur, que nous avons quelque chose de tellement si important. Le Seigneur nous soutient. Quand nous sentons que nous devons faire, ne critiquez pas un frère. Ou ceux qui commencent même avec deux. Laissez-le prier pour lui parce que nous devons être aussi un témoignage pour les autres. Il faut que les gens comprennent, voient effectivement que tous les autres sont comme ça, mais le peuple de Dieu, là, il est différent. C'est comme quand on a trouvé notre sœur Marie-Louise dans les trains, vous vous souvenez? Quand on l'a regardée, il n'a pas dit beaucoup de choses. Quand le monsieur, le contrôleur, il passe effectivement, il a vu tout le monde qui était là. Hein, comme des gens qui peuvent frauder. Mais allez! Il dit, oh, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais je vous connais. Comment vous connaissez? Il dit, mais vous, c'est pas vous qui priez dans l'église qui est là-bas, que vous entrez là-bas. Il était dans le train. Un contrôleur de train. Et vous pouvez s'imaginer, mais quelque chose apparaît sur votre visage. Il dit, ah, oh, c'est là. Il dit, oui, on vous connaît. Il dit, mais dans les quartiers, vous êtes des gens sérieux. Des gens ordonnés, propres, qui rentrent là, quand ils sortent, ils sont bien, continuent à être ordonnés. Amen. En plus, encore pendant cette période ici, soyez, parce que les témoignages sont là. Vous entrez ordonnés. Vous ne criez pas, vous parlez. Vous montez, vous chantez. Ils vont dire, oh, même pendant le confinement, ils étaient très ordonnés. Donc, oui, je crois que les gens vous regardent sans que vous vous rendez compte. Donc, nous avons un témoignage à pouvoir rendre. Que Dieu. Alors, nous continuons dans ce que nous disons tout à l'heure, effectivement, dans les actes, pour que vous puissiez comprendre, parce que. Ah non, non, d'abord le tournant 28. Ah, c'est cela, oui, parce que bon, nous devons terminer le tournant, puis nous retournons dans les actes, effectivement, des tournants. Est-ce que je peux continuer? Amen, amen. Ah, parce que je ne veux pas non plus que vous puissiez vous sentir mal. Oh, maintenant, il nous garde longtemps. Non, je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais juste simplement qu'on court vite, comme ça, vous partez aussi. Deutéronome 28, nous y étions donc dans l'écriture que nous lisions, voilà. Verset 3, tu seras béni donc dans la ville et tu seras aussi béni donc dans les champs. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront donc bénies. Vous voyez, même s'il faut faire l'élevage, faites-le. Mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous riez, mais moi j'ai des poules. C'est-à-dire que si j'ai des poules, je mange des œufs. Et mes poules, à un certain moment, ça ne pondait pas. J'ai dit, oh Dieu du ciel, quelles sont des poules, comment dire, qui sont pondeuses, mais qui ne pondent pas. Attendez, j'ai dit, les autres disent, oh nos poules pondent. Mais, je dis, mais les miens ne pondent pas. Seigneur. Ah, gloire à Dieu, dernièrement, j'ai des œufs. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut. Alors, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni dans ton arrivée, tu seras aussi béni aussi ton départ. Parce que quand on doit partir, on met toujours entre les mains du Seigneur. Il n'est pas normal que tu sois pour aller travailler sans d'abord prier.
Et vous savez, même mon petit-fils Solomon, il dit toujours, même quand je vais mettre sortir la porte, je dis, mais papy, on ne peut pas partir, on n'a pas encore prié. Je suis devant la porte, je dis, merci Seigneur. Mais c'est la vérité. Il dit, papy, on doit d'abord prier ici, avant d'ouvrir la porte et partir. Moi, je disais, bon, on va prier dans la voiture. Il dit, non, papy, ici. On prie ici, papy, et puis on va dans la voiture. J'ai dit, gloire à Dieu qui se souvienne de cela. Alors il dit, et verset suivant, il dit, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et ça, tu dois garder ça, mon frère et ma soeur. Et le chapitre, verset 10, il dit, toute arme forgée contre toi. Et puis il me dit, même si l'on forme des complots contre toi. C'est pourquoi ne te tracasse pas, mais on pense de moi. Non, toi, t'occupe pas. Dieu t'a dit, toute arme forgée contre toi sera toujours sans effet. Toi, demeure simplement le territoire que Dieu t'a donné. Le reste, Dieu s'occupe. Il dit, maintenant, Dieu nous dit, tu ne donneras la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi aussi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que ton Dieu te donne. Verset 9, il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras aussi dans ses voies. Verset 10, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils te craindront, mon frère. Bien sûr, ils te craindront. Parce qu'ils vont voir effectivement que cette personne ici, il a quelque chose de particulier avec. C'est pour ça que tu ne dois pas arriver à pouvoir imiter le monde ou copier le monde. Non, sois ce que le Seigneur veut que tu sois. C'est ta force, c'est ta victoire. C'est vrai, frère et sœur. C'est le monde qui doit t'envier. Toi, tu ne peux pas envier le monde. Que Dieu nous aide, mon frère et ma sœur. Nous retournons dans Actes, nous lisons effectivement aussi. Peut-être que nous pourrons terminer par la réalité. Actes, effectivement, aussi. Actes, chapitre 2. Nous pouvons voir ce qu'il en est. Oui, parce que nous avons dit ce qu'il avait dit à pouvoir tirer. Actes, chapitre 2. Mais c'est cela, oui. Voilà. Voilà, nous lisons ici, verset 23. Il dit, cet homme donc, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, en fait que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans la détresse. Dans l'allégresse. Et puis il dit, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie donc la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'as rempliras de joie par ta présence. Vous entendez ça, non? Il a donc cité l'écriture. Et puis il dit, mais homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Et qu'il a été enseveli, et que son sepulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, lui qui a eu à pouvoir prononcer ces paroles-là, il est mort. Il a été enseveli, et son tombeau est là. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un descendant sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous parlons de cela effectivement parce que
Nous disons que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, on ne peut pas venir n'importe quelle manière pour pouvoir dire, bon, quand je vais comme ça, Dieu me comprend. Non, messieurs. Et surtout quand on a un don, il faut que ce don soit toujours un don qui soit exercé selon la parole de Dieu, c'est-à-dire que dans la prière, c'est-à-dire que la personne qui a un don, il doit beaucoup prier. Ah oui. Parce que le diable, il a les yeux tournés vers les dons, parce qu'il s'églisse facilement. Vous savez comment il commence avec les gens? Oh, mais tu sais, si toi, tu sens toi, il n'y a que toi, tu vois. C'est-à-dire qu'il commence à travailler avec ton moi personnel. Alors tu vois les autres comme inexistants. Et tu te vois toi comme la personne suprême qui sans elle, rien ne va se faire. Une fois qu'il t'a eu comme ça, c'est terminé. Ton don à toi, c'est plus Dieu qui va l'utiliser. Ah ben oui, parce qu'il est enrobé de tous les déchets possibles. Parce que Dieu ne peut pas, vous savez, se mêler avec des choses qui ne sont pas. Ça dit, mais séparez-vous, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? On doit comprendre cela. Si c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça doit toujours être gardé dans la pureté, dans la sainteté. C'est-à-dire que, il dit, mais pour que vous puissiez avoir quelque chose de la part du Seigneur, d'abord la repentance. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, pardon, mais c'est ça, mon frère. Seigneur, pardon de tout mon cœur. Répentez-vous. C'est-à-dire que tu dois d'abord te nettoyer. Mais Seigneur, pardonne-moi. Et tu dois d'abord regretter, être sincère. Mais Seigneur, je ne suis rien, j'ai mal agi. Tu reconnais d'abord que tu n'es rien. Alors Dieu peut agir. Mais quand tu te prends que non, Seigneur, moi je suis juste, hein, il ne fera jamais rien avec toi. L'humilité précède la gloire. Savoir, frère et soeur, le grand problème, ce qu'on parle, qu'on est humble de la bouche, mais à l'intérieur, on ne l'est pas. L'orgueil est tellement subtil, il s'accroche à toi. Pour accepter quelque chose, c'est difficile. Frère, où tu iras? Ma soeur, où tu vas aller? C'est pas possible. Le Dieu que nous servons, Esaïe, regardez très bien, mon frère, Esaïe chapitre 6. Et puis nous prenons sur Apocalypse, que vous puissiez voir effectivement aussi. Frère, on joue pas avec ces choses de Dieu. Ce n'est pas un gamin, frère. Vous allez le regretter. C'est important cela, que vous compreniez cela. L'année, chapitre 6, l'année de mort au roi Ozias, effectivement, je vis les seigneurs assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Verset 2, des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont se couvrait la face, 2 dont se couvraient les pieds et 2 dont se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent donc ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impurs et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez cela? L'homme s'est repenti, il a commencé à réaliser, mon Dieu, pardon. C'est ça en fait. Il dit, je ne peux pas me tenir devant ces dieux. Or, Dieu voulait l'avoir pour pouvoir l'utiliser. Mais toi, comment Dieu va t'utiliser? Avec l'orgueil que tu as? Avec la présence que tu peux venir comme ça, tu te mets n'importe comment. Tu tiens plus à pouvoir faire qu'on voit ta présence, ton extérieur, ta présence. Et puis tu penses qu'avec ça, un esprit comme ça, que Dieu va t'agréer? Non, parce que tu ne viens pas pour Dieu, tu viens que pour le monde te voir, t'apprécier. Parce que pourquoi? C'est pour ça que vous allez voir sur les choses, copier comment les dames s'habillent, comment c'est ça. Vous n'avez pas besoin de cela. Frères et sœurs, n'apportez pas le monde dans les choses de Dieu. C'est ce que Dieu rejette effectivement, qu'il ne veut pas. Parce qu'il dit, mais puisque je suis saint, soyez aussi saint. Et ça, c'est quelque chose que doit nous dévoiler. Frère, vous ne pouvez pas changer la façon de faire de Dieu. Et puis, vous ne pouvez pas penser effectivement que si vous voulez abandonner, Dieu va commencer à pleurer. Et ceci et cela. Non. Dieu a toujours des fils et des filles qui s'accrochent effectivement à sa parole. Il est dit. Et nous devons être conscients de ce que nous sommes, de ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Demeurer effectivement dans ce que Dieu veut. Pas dans ce que nous pensons pouvoir faire, effectivement. Mais c'est surtout, c'est ça le grand problème, en fait, le combat que nous avons en réalité, effectivement. On pense que notre façon de pouvoir penser, c'est la meilleure façon pour Dieu. Et que nous nous satisfaisons, effectivement, dans notre attitude, notre comportement. Tu disais, oui, ça, c'est ce que Dieu pense que Dieu voudrait, effectivement, de moi. Non, parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur dans une attitude comme cela. Regardez, frères et sœurs, je vais te mettre par là. Quand nous regardons dans les scènes d'écriture, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il a dit quelque chose de merveilleux. Frère, ça c'est aussi important.
Quand il a regardé effectivement l'église d'Éphèse, ben, il a fait des loges à cette église d'Éphèse. Vous vous souvenez? Je vais les lire avec vous. Apocalypse au chapitre 2. Regardez. C'est cela, oui. Verset 1, il dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ses chandeliers d'or. » Verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ce que les apôtres, tu les as trouvés ainsi menteurs, et que tu as la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Vous vous souvenez? Bon, maintenant, regardez très bien. Nous lisons à partir du verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous suivez? Il a loué l'église. Hein? Il dit, mais souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qu'il dit? Repens-toi. La repentance, c'est quelque chose qui est nécessaire pour chaque enfant de Dieu, mon frère. On ne peut pas venir devant le Seigneur avec une tête tout à fait, c'est-à-dire, je suis un fils de Dieu, d'ailleurs, fils de Dieu, de toute façon, moi, l'enlèvement, je pars. Frères et sœurs, si tu es dans cet état-là, tu n'iras nulle part. Daniel, lorsqu'il a pu voir par les livres, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? La confession. Confession. Quand on confesse, c'est qu'on reconnaît ses torts. On reconnaît qu'on est vraiment en tort et que toi, tu as raison. Dieu aura toujours raison et moi j'aurai toujours tort. Alors chaque fois que je viens devant sa face, je dirai toujours que tu as raison, moi j'ai tort. Voilà pourquoi je me repens, je te demande pardon pour tout. C'est ça mon frère, c'est ça, c'est la position que nous devons tous avoir en tant qu'enfants de Dieu. Reconnais d'abord qui il est, que jamais Dieu ne fait d'erreur. Ah, même s'il a pris ma mère, il n'a pas fait d'erreur. Même s'il a pris mon père, il n'a pas fait d'erreur. Même si on m'a vu le travail, il n'a pas fait. Donc Dieu, ce que tu fais, tu as raison. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner Dieu quand j'ai un problème. Et Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a toujours raison et moi j'ai toujours tort. C'est pour ça que je me répands. Je reconnais que je suis, je me répands. Oui, parce que vous vous souvenez, quand Job aussi, Job a beaucoup parlé aussi, hein. Moi, mes yeux, il ne faudrait pas soulever, c'est là, blablabla. Dieu l'écoute, effectivement. Et puis il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours sans intelligence? Maintenant, il lui rappelle, maintenant, il dit, mais voici mon autorité. Il avait vu l'hippopotame. Et puis il dit, mais j'ai parlé des choses qui me dépassaient. On aurait avant entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Qu'est-ce que je fais? Je me repens. Amen. Je reconnais que ce que j'étais un insensé, je ne réalisais pas que tout ce que je pouvais faire, c'était par ta grâce. Mais c'est vrai cela. Chacun, nous devons comprendre, frères et sœurs, que quand nous venons dans la maison du Seigneur, on ne vient pas comme, parce que souvent, quand on a, directement, on commence à, non. Non. Prends le temps d'arriver quand même tôt. Toujours en retard, c'est pas normal. Prends d'arriver quand même tôt, pour moi, pendant un petit moment, je vais quand même prendre au moins 5 ou 10 minutes, je reste là à prier Dieu Seigneur, prépare mon cœur, quand on va chanter les cantiques, que mon cœur puisse se réjouir, on prépare mon âme pour que quand même la parole va sortir, mais non, vous venez directement, c'est pour ça que quand on prêche la parole de Dieu, vous commencez à pouvoir rêver, et puis c'est douloureux, frère. C'est douloureux, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire? Juste la présence qu'on voit quand il est là, effectivement, on sort, oh que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Non frère, ça ne doit pas être comme ça. Quelque chose doit quand même agir en vous, frère. C'est quelque chose de sérieux. On n'est pas là pour, on n'est pas là dans on appelle ça défiler des modes. À quoi ça me sert que vous portiez 150, 180, je ne sais pas moi très bien. Salomon, lui, il en a porté plus que vous et moi. Mais Dieu a dit, vous voyez l'hélice devant, l'hélice ici. Salomon a fait des coutures, des grands, compris, des vêtements que vous ne pouvez même pas voir, des grands, grands. Dieu l'a regardé, c'est Dieu qui l'a permis. Et puis il dit, vous avez vu Salomon, non? Dans toute sa gloire, vous l'avez vu, non? Mais regardez l'hélice. Frères et sœurs, vous pouvez faire toute votre armoire, garde-robe ici en passant, et après. Ça, vous pouvez faire dans notre grand. Mais sinon, ici, j'ai besoin que mon âme reçoive.
J'ai besoin de salut. Je ne vais pas perdre mon temps pour des saletés inutiles. J'ai besoin d'avoir quelque chose de vrai, de sûr, qui vient de Dieu. Oui, frère. Et si je viens, que mon âme soit riche. Si mon intérieur est riche, l'extérieur va suivre. Mais je m'occupe de l'extérieur, l'intérieur est pauvre. On doit faire le contraire de ça. Parce que c'est nécessaire. Et puis, il dit, mais repens-toi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il faut d'abord reconnaître qu'effectivement, que vraiment là, j'ai failli. J'ai tombé. Hein? Et puis, il dit quoi? Repens-toi et fais quoi? Pratique quoi? Ah, dans Matthieu chapitre 16, après que le Seigneur ait parlé, je vais m'arrêter parce qu'il est déjà presque 14 heures. Voyez-vous, il y a des jours comme ça où on aime bien rester ensemble. Oui, c'est nécessaire. Nous ne savons pas ce qui se pointe à l'horizon. Que Dieu bénisse mon frère Enzo. Et te bénisse mon précieux frère. Je crois qu'il y avait aussi notre frère aussi. Et qui, notre frère ici, Bruno, je pense. Et je ne sais pas s'il est bien arrivé, mais bon. Ah là là, que Dieu te bénisse encore. Vous comprenez? Parce que hier, notre frère Enzo m'a appelé, il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mon grand, mais comme tu vois que... Alors, il dit, oh non, je ne saurais pas. Non, que Dieu te bénisse. Et alors, mon frère Bruno m'a dit que lui, il a dit, aïe, vaille, que vaille, écoute, que écoute. Je prends mon sac, je mets sur mon épaule, même s'il faut à pied, même s'il n'y a pas la brousse. Vous savez, frère, il y a des frères qui souffrent beaucoup. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, nous sommes ici, mais mettez-vous à leur place. Priez pour eux, vous savez. Il me dit, on va traverser, on ne sait pas si. Vous comprenez cela? Et ça, ça vous touche, ça vous brise le cœur. Les gens souffrent pour ça. Alors que nous devons être aussi sérieux dans ce que nous sommes et savoir accueillir les personnes avec. Oui, vous êtes bien, c'est pour ça que vous êtes tellement à l'aise, parce que vous êtes quand même pas loin, effectivement. Mais eux, ils vont perdre des kilomètres. Dans un endroit où on ne peut même pas arriver à pouvoir des kilomètres, non. Eh bien oui. Vous ne vous rendez pas compte, effectivement. Je pense, notre soeur. Sur les enfants, notre soeur de la ville, hein? Dans les environs aussi, non? Que Dieu la bénisse. Vous savez, quand vous pensez à ça, vous pleurez tout le temps, vous dites, Seigneur, aide-moi. Parce que ces hommes et ces femmes, c'est leur vie. Et nous aussi, nous devons avoir cela à cœur. Pour tous ces hommes, pour tous ces frères et ces soeurs avec leurs enfants, prenantes. Ah, c'est là qu'on voit les combattants qui aiment le Seigneur et que Dieu nous aide. Et que Dieu... Alors nous continuons rapidement ici, je termine par là. Il dit, pratique donc tes premières œuvres. Il continue, il dit, mais sinon je viendrai à toi et jetterai ton chandelier de sa place. À moins que tu fasses quoi? À moins que tu ne t'es repentes. Vous voyez que la repentance est quelque chose qui touche Dieu. Savoir reconnaître les fautes, les erreurs qu'on a commises, effectivement. La résistance, effectivement, vous faites, en fait, je dis que quand vous résistez, c'est pour votre destruction à vous. Mais quand vous reconnaissez ce que vous avez fait, que vous vous repentez sincèrement, Dieu est un Dieu fidèle. Il pardonne. Il dit, pratique tes premières œuvres. Je vais vous montrer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 7, peut-être qu'on va s'arrêter là, puis on va prier avec vous. Si Dieu le permet, peut-être on pourra continuer cela la fois prochaine. Regardez bien, Matthieu au chapitre 16. Voilà, alors, voilà, il dit ici, le verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est ça, hein? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, renoncer à soi-même? Peut-être que les gens n'arrivent pas à pouvoir bien saisir. Si tu renonces à toi-même, alors pourquoi tu revendiques des choses? Ça fait très mal au cœur, frères et sœurs. En fait, nous disons à Dieu, je te donne, mais tu reprends.
En fait, Dieu n'a jamais pris ce que vous lui donnez parce que vous le tenez toujours. Je te donne, je reprends. Qu'est-ce que tu as pris du Seigneur que tu veux donner au Seigneur, toi? Qu'est-ce que tu veux donner au Seigneur? Et qu'est-ce que tu veux prendre du Seigneur? Il nous est dit dans les Saintes Écritures, à ceux qui l'ont reçu. Que Dieu te bénisse. Nous avons parlé de trois noms. Justification. Vous vous souvenez, non? Parce que je l'ai dit l'autre fois, et c'est tout à l'heure ici, tu peux rentrer dans le zoo, tu sors toujours la même personne. Est-ce qu'une telle personne est-elle juste ici? Bon. Alors on dit à ceux qui l'ont reçu. Parce que il y a un échange. Amen. Mm-hmm. Tu reçois quelque chose et tu lui donnes ce que toi tu avais. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu le reçois, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux que lui prenne. C'est d'accord? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur prenne quand toi tu veux qu'il vienne en toi? En fait, tu veux qu'il prenne ta vie du monde, ta vie des pécheurs, parce que tu regrettes tout ce que tu as à pouvoir faire dans ta propre vie. Donc tu veux que ta vie à toi, que le Seigneur prenne cette vie-là, Amen, pour que lui, maintenant, il te donne sa propre vie. Amen. Sa propre vie qui est donc la vie éternelle. Donc il y a eu ce qu'on appelle l'échange. Tu lui donnes, lui me donne. Il prend les saletés, moi je prends la sainteté. Maintenant la question est celle-ci. Qu'est-ce que vraiment toi tu as donné au Seigneur? Parce que tu veux que lui, tu lui donnes, tu es censé lui donner les saletés. Donc ta vie à toi, parce que tu ne veux de souillure, tu le sais bien. Et tu veux avoir une vie de sainteté. Parce que s'il t'a donné sa vie à toi, tu l'as reçu, ben, tu dois avoir une vie de sainteté. Et quand cette vie rentre en toi, tes aspirations changent. Tes désirs changent. C'est pour ça qu'on dit, tu dis Seigneur, prends, mais en fait tu les tiens toujours. Parce que ta vie là, tu l'aimes toujours. Alors qu'est-ce que lui là il a à pouvoir recevoir de ta part? Parce que, il faut, parce que vous savez, aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, on ne peut pas vivre. On vit toujours avec notre vie ancienne. Mais pour avoir une nouvelle vie, c'est pour ça qu'on dit que à ceux qui l'ont reçue, cette vie-là, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est-à-dire qu'on est maintenant une nouvelle naissance. On a une nouvelle vie. Frère, si tout le temps les désirs des choses du monde, en fait, comme le monde se trouve en moi, je dois me poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment sauvé? Bon, maintenant, la justification, c'est la phase de pouvoir le recevoir comme son sauveur personnel. Alors ça veut dire que je compris pourquoi je le reçois. J'ai besoin d'avoir le pardon de mes péchés. J'ai besoin de pouvoir être quelqu'un qui sera ramené dans la présence du Seigneur, que tout mon passé, dont je reconnais que je suis coupable, que Dieu puisse me rendre aussi plein et que la condamnation soit aussi enlevée. Je suis conscient de cela. Pourquoi est-ce que j'ai été condamné? Mais par ma vie. Parce que j'aime le monde, je suis dans le monde effectivement. Le monde effectivement m'a trompé. Donc maintenant je ne veux plus de ce monde. Je veux lui donner tout ce que je suis, que le monde aille à pouvoir avoir comme emprise sur moi, pour que je reçoive la vie qui est en lui. Afin que quand Dieu me regarde au travers de ce sang que j'ai accepté pour moi, je sois plein. Parce que par son sang, il m'a racheté. J'accepte ce sang-là. Or, nous savons que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang.
Donc si il est mort, sa vie doit venir. Parce que moi j'étais laissant, non? Sa vie doit venir en moi. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang est la nouvelle alliance. Cette alliance nouvelle qu'il a établie, effectivement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'essaie de parler doucement pour que chacun de vous comprenne. Amen. C'est pour ça que nous faisons la Sainte Cène. C'est pour ça qu'il avait dit, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, n'a pas la vie. Donc si j'ai mangé la chair et que j'ai bu le sang, donc je dois avoir la vie. Et cette vie-là ne pourra plus jamais me pousser à désirer tant les choses de ce monde, mais va toujours me pousser à désirer les choses d'en haut. Vous savez que c'est écrit comme ça. Dans 2 Corinthiens, je pense, au chapitre 5. Je suppose d'abord, vérifions d'abord effectivement si 2 Corinthiens, je pense que c'est là. Je vais m'arrêter quelques minutes, hein, parce que je m'attends 2 Corinthiens au chapitre 5. C'est pas 2 Corinthiens chapitre 5, peut-être Romains, peut-être on est dans les Romains au chapitre 6, peut-être bien que cela. Ah, je suppose que... Ah, non, pas Romains au chapitre 6. Ah, non, attendez, attendez. Très bien. Attendez, probablement... de trouver ça. Et vous connaissez l'écriture où il nous est fait part que nous devons chercher les choses d'en haut. Peut-être Colossiens, quelque chose comme ça. Colossiens, c'est ça, c'est Colossiens, oui. Je pense que c'est ça, merci beaucoup. Hein. Colossiens, merci. Colossiens au chapitre 3. Hein. Colossiens au chapitre 3, le verset 1, il dit, je ne sais pas si c'est la même chose que vous aussi. C'est Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est la même chose que vous? Amen. Cherchez donc les choses d'où c'est? Pas d'en bas, hein? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'où? Et non celles qui sont sur. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une aspiration différente. Quand on est né de Dieu, frère, notre cœur est toujours... Parce que vous voyez que la Bible dit que les justes là qui étaient assis à la porte, son âme était tourmentée jour et nuit. Mets des sauts sur le front de ceux qui gémissent tous les jours à cause d'abominations qui se commettent. On ne peut pas s'y plaire dans ce monde. On ne peut pas chercher à copier. Ce n'est pas possible. On est sorti de ce monde, mon frère, et nous sommes en chemin pour rentrer chez nous. Pourquoi je dois retourner en arrière comme la femme de Lot? Qui commence à pouvoir penser à ses blouses, à ceci, à ses vêtements, ceci. Non, c'est comme ça qu'elle est retournée en arrière, elle est restée. Moi, je ne suis pas appelé à tourner mes regards en arrière. Alors, nous continuons, il dit donc, verset 3, il dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Mais si ma vie est cachée avec Christ, effectivement, qu'est-ce que moi je peux soupirer à copier les enfants du malin? Moi, ce sont les choses de la lumière qui doivent m'intéresser. Vous écoutez mon frère, vous écoutez ma soeur, mais quand vous sortirez ici, vous ne ferez que chercher à copier. On a vu telle personne, on a vu ceci, on a vu dans les magazines, on a vu ceci. Mais tout ça, ce sont des souillères. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous attirez toujours des démons vers vous. Vous voulez vous coiffer comme les démons. Vous voulez vous habiller comme des démons. Mais non, coiffez-vous comme des filles de Dieu. Amen. On a beau prêcher, on a beau parler, effectivement, c'est toujours pareil. Alors, la question qu'on va vous poser, ne vous fâchez pas, parce que souvent, quand on arrive là, on commence à se fâcher. Non, c'est pas normal. On n'a pas dit que, bon, les frères et sœurs, c'est les... Non, soyez propres. Mais s'il vous plaît, frère, ma sœur, mais ne copiez pas le monde. Vous copiez tout le temps le monde. Les magazines, les photos, les ceci, cela. Mais ces temps, ces gens-là sont inspirés par des démons. C'est vrai. Et ce que vous faites, effectivement, c'est copier le monde. C'est le monde qui doit arriver à pouvoir avoir une orientation vers vous. Dites, mais en tout cas, non, c'est vrai, on a trop exagéré. Quand on peut voir celui-là, comment il se confie, comment il se coiffe, effectivement, comment il s'habille, effectivement. Ah, on a dit, oh, à l'école. Mais oui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure en parlant, je parle de l'INSEE, que Dieu la bénisse, peut-être c'est un peu facile, mais ça ne fâche pas. Mais c'est vrai, à l'école, les parents toujours disent, ah, mais vous avez les enfants là-bas à l'école. Mais vous trouvez normal que votre enfant porte des mini-jupes à l'école? Parce que, non, non, vous ne répondez pas, parce que c'est vous qui êtes comme ça, parce que vous fâchez quand le pasteur prêche comme ça, vous sentez, oui, pourquoi on a après nos enfants. Vous le dites, c'est vrai, vous me critiquez parfois, et puis vous vous aimez, je sais très bien. Bon, écoutez,
Vous trouvez normal que vous envoyez vos enfants avec des mini-jupes pour des pantalons à l'école? Et puis, quand ils vont venir à l'assemblée, c'est effectivement qu'ils doivent s'habiller. Parce que frères et sœurs, quand même, je ne sais pas comment aujourd'hui vous dites, faites, et puis demain tu vas dire non, ne fais plus. Non, mais tu m'as demandé de pouvoir le faire. Si je peux le faire, ben, je sens que le goût est rentré. Je dois continuer à pouvoir le faire. Vous savez ce que vous faites effectivement de vos enfants? Vous pensez qu'en faisant comme ça, vous les aimez? Non. C'est pas l'amour qui va me dire, ah non, comme ça, maman, il est relax, papa, il est relax, effectivement, où il n'y a pas de problème, il comprend, je peux faire cela. Mais non, c'est pas l'amour, parce que tu seras responsable de l'amour de ton fils, ta fille. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. C'est vrai, je sais très bien. Vous avez toujours dit, oui, le frère Léonard, il est toujours après nos enfants, il n'y a pas de problème. Oh, toujours, quoi, mais ceci et cela, il n'y a pas de problème. Mais toi, maman, toi, papa, qui dis cela, mais tu tues tes propres enfants. C'est sûr et certain. Quelle est la voie que tu montres à l'enfant? Montrer la voie de son bas âge. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Même s'il y a des combats, effectivement, il saura qu'elle lance ici et cela. Mais deux maintenant, ils sont petits, tu le fais m'habiller comme des personnes, des prostituées de l'extérieur. C'est pas possible, ça. C'est pas normal. Je sais pas, moi, mais bon, ça c'est vous, effectivement. Mais vous savez, c'est quoi que c'est Josué qui a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aussi longtemps que l'enfant est chez moi à la maison, il vit dans ma maison, il ne va pas faire la loi. Oh, maman, je ne veux pas. Non, tu viens mini-jupe chez moi, tu sors de la maison. Si tu veux te prostituer, pas chez moi, va chez toi. Vous savez, frère, vous dites que les frères l'ont examiné. J'ai aussi des enfants, pas ça, mon propre fils Jacob, il n'avait que 7 ans. Je l'ai chassé chez moi. Pourquoi je suis revenu de voyage? Effectivement, sa maman m'a dit non, Jacob n'a pas voulu venir à l'église. Il dit, où c'est dans ma maison? Tu es ici, tu manges le pain des dieux. Ah ben oui. Il dit, dans ma maison. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'a jamais oublié ça. Hein. Il dit, mais papa était méchant. Il dit, je vais devant la porte. Il dit, je vous dis, Dieu mettez-moi que je serai Dieu. La maman est là. Et je l'ai mis devant la porte. Il dit, maintenant tu fais le choix. Sa grand-mère vivait quelque part, pas tellement loin. J'ai dit, la porte est ouverte ici. Où tu vois, c'est ta grand-mère. Où tu vois la police. Tu dis, mon papa, il m'a chassé, mettez-moi un endroit. Il dit, tu es libre. J'ai dit, la porte est là. Si tu veux rester ici, tu vas aimer mon Dieu. Tu vas... Oui, je lui dis ça, moi. Tu es censé pouvoir aimer mon Dieu. Tu vas les servir, effectivement, aussi longtemps que tu es dans ma maison. Alors, tu es appelé à l'aimer. Je lui dis ça. Si tu ne l'aimes pas, la porte est là. Je ne suis pas là pour jouer avec vous, la comédienne, parce que vous, avec vos enfants, vous dites, oh, il touche à mon enfant, j'ai touché le mien. Ah oui, frère. C'est important que l'on comprenne qu'effectivement, que aussi longtemps que nos enfants sont à la maison, on doit être clair. Ferme. Ici, c'est Dieu. Là-bas, c'est le monde. Tu veux le monde dehors. Nous devons être dans une position où on sait ce que l'on veut. Savoir ce que nous voulons, ce que Dieu... Alors, il dit ceci, Jésus à Matthieu, je termine par là. À Matthieu chapitre 16, effectivement, il dit, donc il renonce à lui-même, Matthieu chapitre 16, je vais terminer, je dis, non, là-bas. Il dit qu'il renonce à lui-même, regardez très bien. Il dit que, quand c'est lui, verset 25, il dit, quand c'est lui qui voudra sauver sa vie, eh ben, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Vous comprenez ce que ça veut dire, effectivement? Donc tous les honneurs que les hommes, parce qu'ils disent, si tu ne fais pas comme ça, ils ne vont pas t'honorer. Peu m'importe, que vous ne m'honorez pas, que vous ne m'appréciez pas, mais si aussi longtemps que je fais ce que Dieu veut que je fasse, toi en tant que frère, en tant que sœur, même si on ne t'apprécie pas ton travail à cause de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Si vous-même vous êtes chassé, parce que oui, on dit, on parle effectivement, mais elle vient toujours avec des vêtements qui couvrent le corps, parce que c'est comme ça, hein, parce que les patrons veulent quand même voir les jambes, et puis ouvrir un peu la poitrine. Mais qu'est-ce que tu dois faire avec la poitrine de quelqu'un? Seulement que mes yeux passent. Mais tu vas voir les yeux, tu vas souffrir pour rien. Mais c'est vrai. Parce que tu vas toujours avoir les yeux, tu ne vas pas bien travailler. En plus, et puis après, il termine, il rentre sur sa maison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'homme ne réfléchit pas. Ne prenez pas ça mal. Hein? Mais comprenez que c'est important. Enfin, bon, pas. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est vrai. Hein? Vous voulez que tout le monde t'applaudisse, effectivement. Mais tu t'envoies dans une mauvaise direction. Tu vas perdre ton âme à toi. Ça va te servir à quoi?
tout, et puis des salles que les gens ont postées pour toi, effectivement. Rien. Et puis donner, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en échange de ton âme à toi? Nous continuons. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, écoutez bien, et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, monsieur. Cela que nous pouvons réaliser quelque chose qui soit important pour nous. Même quand on lit dans Apocalypse, effectivement, que ce soit chapitre 3, verset 14, il dit, je connais tes œuvres. Il s'agit des œuvres, mon frère et ma sœur. Il dit, je connais tes œuvres. En fait, c'est là la partie que nous ne prêtons pas beaucoup attention. Il dit, il va certainement juger chacun selon ses œuvres. La question qu'on doit se poser, quelles sont les œuvres que toi tu manifestes? Parce que nous serons jugés selon nos œuvres. Je crois qu'on va s'arrêter là, si je peux même pas se continuer la semaine prochaine. Mais pensez à ceci, quand vous allez rentrer chez vous à la maison, chacun de nous tous, nous serons jugés selon nos œuvres. Pas ce que nous allons chez l'apprenant, selon les œuvres. Maintenant, posez-vous la question. Quelles sont les œuvres que toi, tu manifestes? Vous avez entendu qu'il a parlé dans le chapitre 2 d'Apocalypse. Il m'a dit, mais souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ce que ces premières œuvres-là, c'était les œuvres que Dieu voulait. Mais qu'est-ce que Dieu peut vouloir d'un homme, effectivement, en tant qu'œuvre qui vient de cet homme-là? C'est quoi que Dieu peut vouloir de toi? Que Dieu peut arriver à pouvoir accepter, agir, en tout cas ça. Vous savez, je vais vous lire encore rapidement. Dans chapitre 14 d'Apocalypse, verset 13, il dit, heureux, vous connaissez, heureux dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur. Pourquoi? Car leurs travaux et leurs œuvres suivra. Alors dis-moi, quelles sont les œuvres et les travaux qui vont te suivre? Pose-toi la question quand tu es même chez toi à la maison. Quand tu sors même. Quelles sont, parce que chacun devra être jugé, Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que toi, tu manifestes aujourd'hui? Voilà pourquoi que, je vais m'arrêter là, voilà pourquoi que le Seigneur, vous dites, ah le frère, non, le Seigneur n'a pas cessé d'insister sur un point qui est très important, ce que le soupçon, nous soupçonnons toujours les mal à l'endroit des uns comme des autres. Toujours le penser du mal. Regardez très bien, observez-vous, frère, observez-vous. Parce que si ces choses n'étaient pas ainsi dans chacun de nous, frère, mais ça sera un réveil. Alléluia. Ici, ça sera un réveil, mon frère, avec ce que nous entendons. Avec ce que nous entendons. Frère, vos pensées sont chargées rien que de mal. Mais regardez, qu'est-ce que quand vous pensez comme ça, quelles sont les œuvres que vous produisez? Rien que par les pensées que vous avez, quelles sont les œuvres que vous produisez? Ah, mais vous savez que dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jacques, il est parlé effectivement en rapport avec la foi. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas s'il n'a pas les œuvres? Donc on nous dit que la foi sans les œuvres, elle est vraiment morte. Alors, quelles sont les œuvres que vous manifestez? Parce que vous croyez en Dieu. Je vous en prie, qu'est-ce que vous manifestez? Quand vous allez sortir ici, prenez ne fût-ce qu'un cahier. Écrivez,
En disant, ben, voilà ce que j'ai eu à pointer. Vous allez voir que le nombre du mal est plus grand que le nombre du bien. Et quand tu vas partir, par exemple, subitement, avec la liste là, c'est ça qui va te suivre de l'autre côté. Que Dieu nous aide. Parfois, vous vous fâchez, il est long, le frère, il est méchant, il est mauvais. Mais un jour, vous vous souviendrez de cette personne. Vous direz, Seigneur, nous ne réalisons pas encore effectivement que c'était pour nous que tu nous parlais en fait. Maintenant, vous prenez à la légère les choses. Ah oui, c'est vrai. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre, réaliser effectivement ce que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, on a beaucoup travaillé pour Satan, et même jusqu'aujourd'hui. Mais vous n'en avez pas assez, frère. Pourquoi vos pensées tournent toujours vers le mal continuellement? Pourquoi est-ce qu'un jour, je ne peux pas dire, je me lève comme ça, je vais quand même être pur dans mes pensées. Seigneur, toujours pensez bien, chantez. Je ne vais même pas penser du mal. Vous verrez la victoire que vous avez. Juste en faisant un exercice comme ça, enfin, un jour ou bien deux jours, aujourd'hui, comment vous allez faire? De la prière. Mes pensées toujours vers la prière. Seigneur, aide-moi. Oh, je pense à toi. J'ai lu la Bible. Je chante des cantiques, effectivement, du matin jusqu'au soir. Vous verrez la force que vous avez. Parce que Satan n'aura pas la même mise sur vous. Et ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Et tu verras ce que tu vas produire à l'endroit de ton frère. Parce que tu ne verras plus le mal à l'endroit de quelqu'un. Quand tu ne vois pas le mal, c'est toujours le bien qui sort de toi. Lève-nous, nous allons prier.